Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les Bonsoir. pongistes. Salut Iba. Salut, comment donc Salut, ça va? salut. Ça va bien et toi? Ouais. Alors, il y a qui ce soir? Il y a mes modérateurs. Il y a Alex. Salut Alex, l'auteur. Yoam Taro, Matradi, bonsoir à tous. Bienvenue, installez-vous confortablement. Salut Gabriel, comment ça va là? C'était les tours d'endive là les gars. Toi aussi, bah t'as eu tour d'endive ou pas? Ah non. Ouais, c'était un niveau un peu au-dessus je crois. Ça fait Salut, longtemps que j'ai salut pas tout le fait le monde. tour Ouais, bon, on en parlera peut-être après, mais en vie. j'imagine. Pour ceux qui sont là dès le départ là. Les gars, Iba il a été super réactif. Est-ce qu'on peut se faire un petit mur? Salut Nala, ça va? Un petit mur de raquettes de ping là pour Iba? Parce que franchement, il va nous en parler après, mais il n'est pas en France, il est à l'étranger, il bouge dans tous les sens et il a réussi à trouver un créneau pour nous. Donc les gars, un mur de raquettes là, je lance, c'est parti. Normalement, vous avez tous accès aux raquettes, salut Hippolyte. Tout ça, c'est vos raquettes de ping. Je crois que vous avez que accès à la rouge, vous. Ou alors, faut être abonné, je crois, pour avoir les autres couleurs. Merci Gabriel. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, j'ai eu 2-3 retours sur mon micro, les gars, sur le dernier live. On m'a dit que des fois on m'entendait respirer et tout, c'était pas agréable. Donc là, j'ai acheté un micro sur pied, mais je l'ai pas encore monté. Et donc, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez trop respirer ou alors si le son est trop bas ou trop fort, que je règle ça rapidement. Voilà. Toi, Iba, tu m'entends bien, c'est nickel? Ouais, je t'entends super. Ok. Pareil pour toi. Ouais, c'est parfait. Parfait, parfait. Hein. On te voit bien, on t'entend bien. Alors, je vous rappelle le programme. Donc, avec un invité, on se fait une grosse demi-heure de petite interview sur le parcours sportif donc de Ibrahima, sur plein de questions un peu vis-à-vis du ping, voilà, sur le matos, sur des anecdotes, sur sa carrière, etc. Ensuite, on parle aussi un peu de l'après-carrière. On finit l'interview après 3 quarts d'heure voilà, je lui demande son avis sur plein de petites choses du ping actuel, à savoir le format WTT, le format de la pro, etc. Donc ça dure 3 quarts d'heure et puis après le 3 quarts d'heure qui reste, c'est questions-réponses avec vous le chat. Salut Kill, Kill 2009, bienvenue à toi. Donc vous pouvez poser vos questions, il n'y a pas de souci, mais on y répondra qu'un peu plus tard. Voilà, ça te va Iba pour le programme ou pas? Ça me va, Ouais, parfait. C'est nickel. toi qui dirige. Ouais, ça marche. Yo Barthe Pongay, j'ai du modo ce soir là. J'ai du modérateur, c'est bon ça. Ok, nickel. Salut Team 9-4. 9-4 va être en force ce soir, et Ouais, je ben. suis D'ailleurs, vous avez vu les gars, le compte Instagram d'Ibrahima, c'est IBA94. C'est en référence au département ou pas? Ouais, c'est Ouais, ça. ok. Oui. Alors, est-ce que toi, t'as accès au chat chez toi ou pas? Ouais. Ouais, tu le vois défiler, c'est bon? Ouais, je vois. Ok, Ouais, je le nickel. vois défiler. Nickel, nickel. Salut, Tib. Tib 94. Eh oui. Thibaut qui est entraîneur avec moi, qui a cofondé la chaîne avec moi, donc. D'accord. Voilà. Bon, Iba, on va commencer. Première question, comment ça va? Très bien. Un peu fatigué, mais sinon, ça va. Ouais. Donc là, t'es de retour de d'Inde, c'est ça? Ouais, c'est ça. WTT Stars que Félix vient de gagner d'ailleurs aujourd'hui. Ouais. Ok. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas suivi, t'as fait quoi comme résultat là-bas? Alors, j'ai perdu au premier tour du tableau final contre Wang Chongting. Ok. J'ai perdu 3-1. Ouais. Le Taipei, c'est ça? Hong Kongais. Ah, Hong Kong, qui joue en porte-plume. Ouais. Ok. Ok, nickel. J'ai un petit bug d'affichage. 2 secondes, je sais pas pourquoi le chat n'apparaît pas. Ah, c'est. Attends, hop. Pourquoi le chat n'apparaît pas sur la POV? C'est bizarre ça.
bizarre ça. On voit pas le chat, hein, les amis, sur le retour vidéo là, à droite. Non, y a rien. Hein. Non, y a rien. Moi je l'ai, le dernier c'est salut type, le Ouais, chat. tu l'as, mais pas sur le visuel du live. C'est ça que je Ah veux dire. d'accord. C'est très bizarre ça. Bon, écoute, on réglera un peu après. Ouais, non, effectivement, ça apparaît pas. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Alors, Iba, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as découvert le ping, à quel âge tu as commencé, comment tu as commencé, où ça, et puis après, raconter un peu ton parcours, ta carrière en tant que pongiste, tes différents clubs, etc. Où est-ce que tu t'es entraîné, voilà. Ok, bah, moi j'ai commencé le ping à 7 ans. Alors c'était à l'école. Donc en fait on avait bah, le tennis de table à l'école, à la salle de Daciba à Créteil. Ouais, Et toujours. donc du coup voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le tennis de table. Et ensuite bah, mon entraîneur, enfin l'entraîneur du club avait vu que je sortais un peu du lot. Donc du coup, il m'a demandé si je voulais faire bah, du ping. Moi j'ai dit non, moi j'étais à l'US Créteil foot à l'époque. Donc je voulais faire du foot. Et donc il a insisté. Et puis bon, pendant tout le trimestre, bah, il m'a pas lâché. Et puis bah, à un moment donné, il a dit, écoute, on t'offre une raquette, on t'offre la licence, on t'offre tout, mais il faut vraiment que tu signes. Donc du coup, ma mère, elle a dit à ce moment-là, ben pourquoi pas. Ok. Et donc du coup c'est là où j'ai commencé et puis bah, direct je crois la première année j'avais gagné le Bernard Jeu départemental Ta et puis première après année. bah, c'est là ouais Ah première ouais. année direct Ok. ouais. Donc Ok. du coup là bah, c'est là où j'ai commencé à mettre vraiment dedans et à m'entraîner un peu plus et puis après voilà bah, je suis tombé amoureux du ping quoi. Ok, donc 7 ans, ça veut dire que tu étais en CE2, un truc comme ça? Ouais, Ouais, c'est ah donc ça. tu commences quand même tôt. Et Mais... juste, ça c'est pour moi, ton entraîneur c'était Eric du coup au début? Ouais, c'est Ouais, ça, Eric Auger. ok. C'est ça. Ça marche. Et alors, quand est-ce que tu pars de Créteil? Est-ce que tu perces un peu sur tes années Créteil ou pas? Alors, bah, à Créteil, en fait, ça s'est très très bien passé parce que moi, en fait, à 12 ans, je suis rentré au pôle Île-de-France et qui était à l'époque à Montry. Ouais. Et donc voilà, moi je suis rentré là-bas et puis après donc moi j'ai fait 4 ans de pôle Île-de-France, donc le pôle aussi il est passé par Thomas Mann à Ouais. Paris 13 et ensuite j'ai fait une année à Nantes, donc je suis parti à Nantes à 16 ans et moi en fait je suis parti de Créteil à 17 ans alors je sais que les entraîneurs ils voulaient vraiment que je parte de Créteil plus tôt. Il voulait que j'aille à Maison Alfort avec bah, les deux Robineaux qui sont de ma génération aussi. Moi, je voulais pas. J'étais vraiment, vraiment fidèle à Créteil. Et Créteil aussi, bah, ils étaient derrière moi. Ils voulaient qu'on essaie de monter un peu. Mais bon, il y avait un moment où j'étais 200 et j'étais encore à Créteil à jouer N2. Ah ouais. Donc du coup, ouais. Donc du coup, là, je dis, bon, les gars, je peux plus vraiment rester. Faut que je parte. Soit vous faites vous recruter des joueurs et on essaie de monter en N1 et faire plus. Mais du coup, il n'y avait pas les moyens. Donc du coup, c'est là où je suis parti de Créteil. Ok, c'était en quelle année? Enfin, t'étais quelle catégorie là? Là, j'étais junior 2. Ah, donc t'as quand même fait Poussin, Benjamin, Minime, Cadet, J2, Créteil. Ouais. Ah, c'est beau, Ouais, je voulais pas partir. hein? Ouais, c'est Je beau. voulais. Ouais. Ok. Et donc à ce moment-là, tu pars où? Je pars à Argentan. Là, c'était vraiment à l'époque, Argentan, c'était vraiment la structure où bah, il fallait être. Vraiment, il y avait même les joueurs de l'INSEP qui allaient faire des stages d'entraînement là-bas. Il y avait vraiment un sacré groupe d'entraînement là-bas. Donc, du coup, je suis parti à l'INSEP. C'était qui l'entraîneur? Pardon, je suis parti à Argentan. Ouais. Et c'est là, en fait, où j'ai fait mon premier match de pro en fin d'année. Fin d'année, j'ai fait mon premier match de Pro B là-bas. Mais du coup, tu t'entraînais plus au Pôle France. Non. Donc tu étais 100% à Argentan. Ouais. Ok. T'avais déménagé là-bas et tout quoi. Ouais, j'avais déménagé là-bas. On vivait avec un groupe de joueurs. Il y avait Arnaud Deron.
Alberto Mignot, équatorien. Ouais. T'avais vraiment, t'avais Matsumoto, Tsuboi. Ah ouais Donc, ouais. tu vois, des joueurs vraiment, vraiment percés, C'est quoi, ceux qui qui auraient faisaient pu. vraiment les ceux qui faisaient tous les tournois avant, je m'en souviens. Exactement. Ouais. Mais il y avait aussi les il y avait eu les Nigérians aussi, non? Il Il y y avait avait les Toriola, je Nigérians aussi. crois. Il y avait Toyola, Ouais. Mondemiro Ouais, c'est Kun. ça, c'est ça. Ouais, je me souviens de cette époque. Ouais. OK. OK. Et Argentan, tu y restes pas mal d'années quand même, non? Ouais, alors j'ai fait 2 ans, 2 ans. Ensuite, j'ai fait 1 an à Saint-Denis et puis je suis retourné à Argentan 2 ans de plus. Ok. Ouais. Ça marche. Et après Argentan? Et après Argentan, c'est là en fait où j'ai décidé de partir vivre en Suède. Donc en fait, je suis parti m'entraîner, m'installer à Halmstad en Suède. Là, j'ai fait 3 ans là-bas en Suède. Et puis après, ensuite en 2018, je me suis installé au Danemark. Et là, ça fait depuis 2018 que je vis au Danemark. Ça marche. Donc on en parlait un peu en off, mais tu as l'air de te plaire quand même pas mal au Danemark, à Copenhague, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, tu t'entraînes, il y a un centre d'entraînement là-bas, il y a quelqu'un qui te suit? Ouais, alors en fait, c'est le centre national du Danemark. Ouais. Donc, il y a Groth, Lind. Ensuite, après, c'est un peu moins fort, mais ça joue quand même co correctement avec Tobias Rasmussen et Ouais. deux autres jeunes Danois. Et ensuite, il y a moi et Antoine Achard. Ah, et Antoine qui est Et là-bas aussi, ouais. ouais, Antoine, il vit là-bas aussi. Et puis aussi, je m'entraîne aussi en Suède, à Eslöv avec Truls Moregard. Ok. Donc en fait c'est à 45 minutes de chez moi donc du coup voilà je fais un peu les deux quoi. Ok. Ah ouais, donc c'est en fait c'est collé au Danemark, c'est collé à Eslöv en Suède. Ah ouais, tu peux y aller en voiture et tout. Ok. Ça marche. Ça marche, ça marche. Et il y a un entraîneur qui te suit là ou vous êtes en autonomie totale quoi? Ouais, on est en autonomie et puis après, bon, après l'entraîneur il nous aide vraiment beaucoup. En fait, on est un petit groupe, donc du coup, l'entraîneur, enfin, il essaie vraiment de faire le maximum pour nous aider. Donc, on a quand même un suivi, quoi. Ok, mais comment il s'appelle? C'est un Danois du coup? Ouais, alors c'est un Suédois, il s'appelle Linus Mernsten. Ok, ça Ouais. marche. Et bon, si c'est pas indiscret, vous payez l'année au centre là-bas, non? Non, on a de la chance, on paye pas. Ah ouais? Donc, ouais. Ok. Ok. Bon, c'est génial ça! Ouais, c'est cool, bah, c'est cool. Ouais. Bah, en fait, on est un peu genre relanceur, quoi. Donc, du coup, bah, Ah, ok. c'est bien pour. En fait, tout le monde y gagne, quoi. Ok. Ah, c'est intéressant. Bon, toi, ceux qui te suivent un peu, t'es un joueur andro. C'est ça. C'est ça. Est-ce que, comme d'hab, il y a beaucoup de questions sur le matos. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton matos, s'il te plaît? Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment t'as trouvé ton sponsor. Ouais, alors moi je joue avec le bois Andros Saint-Aliag VC O. Donc c'est un nouveau bois Andros. Et avec 2C53. Je sais pas si ça te. Ça me dit rien, c'est des plaques hybrides aussi? Ouais, c'est des plaques Ouais. hybrides, exactement. Ouais. Ok. Donc voilà, c'est des plaques hybrides, donc c'est un peu la mode actuellement. Donc voilà, c'est mon matos et je suis content de ça. Ouais. Et ton bois, c'est du carbone du coup? Ouais, c'est du carbone. Ok, ça marche. Et donc, alors, comment t'as été chez Andro? Parce que toi, de mémoire, t'as été butter, non? Pas mal d'années? Ouais, j'ai été butter en tant que jeune. Et puis après, quand je suis parti un peu de la structure. Fédéral, Butter, ça s'est arrêté. Et puis ensuite, j'ai été quand même un long moment sans sponsor. Et puis après, en 2000, c'est en 2019. Non, c'était en. Pardon. Attends, c'était. Oui, c'est ça, c'est 2019 au championnat du monde à Budapest.
je croise Damien Eloi, qui est responsable des joueurs des joueurs Andro, ouais. sponsorisés Andro. Donc du coup je lui dis bah déjà qu'est-ce que tu fais là, tu vois? On se croise dans le village, il me dit bah je suis responsable d'Andro, moi je savais pas du tout. Je dis écoute, tu es à la recherche d'un sponsor, est-ce que tu t'es intéressé? Il me dit bah ouais, je suis intéressé. Et du coup je lui dis bah ça marche, on se voit demain. Du coup le lendemain on se pose au village au championnat du monde. Et il me propose un contrat, je lui dis bah ça marche. Et du coup on signe. Et Ok. voilà, c'est fait comme ça quoi. Ouais, c'est marrant. Ouais, franchement assez vraiment simple. Ok. Et ok, d'accord. Donc ça aurait pu être un autre sponsor en fait. Si ça se trouve, tu étais tombé sur Christophe Legout. Bah... Après. Bah ouais. Peut-être, bah après, le truc, c'est que Butterfly, ils sont assez stricts sur le sponsoring. Bah, je sais que moi, j'avais une proposition de leur part d'ailleurs l'année dernière, mais j'avais refusé. Je voulais rester chez Andro parce que le contrat me plaisait bien, quoi. Ok. On me demande à quelle fréquence tu changes tes revêtements. Je change toutes les semaines. Ok. Toutes les semaines. Donc Flo Bourassa, c'est tous les 10 jours, toi, toutes les semaines. Et du coup, Andro, ils sont là-dessus, ils sont réceptifs, hein, ils te fournissent tout. J'ai pas entendu. Andro, ils fournissent assez de jeux ou... Ouais, y a pas Ouais. de souci sur ça. Ils me fournissent vraiment. Ouais, vraiment, y a vraiment pas eu de souci sur le matos. Là, ça fait depuis 2019 qu'on est ensemble, il y a vraiment zéro souci là-dessus. Ok, top. Ouais. Ok. Lothaire, j'ai vu ta question, on y reviendra après. On y reviendra juste après. J'ai toujours pas réussi, les gars, à régler le problème du chat. Hein. Je sais pas pourquoi le chat n'apparaît pas. Je vais réessayer un autre truc, mais bon, bref. Ok, donc toi, tu joues pour le Sénégal, c'est ça? C'est ça. International sénégalais, donc tu peux faire les championnats d'Afrique, les qualifs JO à zone Afrique. Est-ce que sur toute ta carrière, un peu, que ce soit en France, soit à l'international, est-ce que tu as une bête noire, un joueur que tu as vraiment du mal à battre, qui te réussit pas du tout? Ouais, c'est Omar Assar. Ouais, Omar Assar, et même pas avoir pris un set. Ah ouais? Je l'ai joué 3 fois et j'arrive vraiment pas à le jouer. Après moi j'ai vraiment joué sur des compètes très importantes à chaque fois, et vraiment c'est un joueur vraiment sur les compètes, il est vraiment clutch sur les grosses compètes, mais j'ai jamais ouais franchement j'aime pas son jeu. C'est vraiment le pire pour moi. Ok. Ouais, il fait que renvoyer en fait. Il n'y a pas trop de consistance. Ouais, Il fait c'est pas de ça, il fait faute. vraiment. Ouais, il fait pas de faute, il anticipe bien. Il est à fait, mais puis en plus il est assez complet, quoi. Tu vois, coup droit, revers et tout, franchement. Ouais, j'aime vraiment pas son jeu. Ouais, ok. Ah ouais, je pensais que tu l'avais battu quand même. Non, mais non, c'est Arruda que j'ai battu. Ouais. Omar, non. Ok. Là, t'es combien à mondial là? Là, actuellement, je suis. Papapapapap. Je dois être 100 et quelques, je crois. Je suis passé 100 la semaine dernière. Je dois être 102 ou un truc comme ça. Ok. Mais bon, je pense que. Je pense qu'avec la bonne performance que j'ai faite là en Inde, je vais remonter 90 par là. Yes. En Inde, du coup, tu te fais sortir. C'est quel tour tu as dit? C'était quatrième tour. Si on prend Quatrième au niveau tour. des tours, c'était en 32, 32, Ok. 64, je sais plus. Ok. Et t'avais fait les qualifs avant? Ouais, j'ai fait les Ouais. qualifs. Ça marche. Donc tu me disais que t'as eu du mal à. Enfin, tu l'as jamais battu, Omar Assar. Est-ce qu'à l'inverse, il y a un joueur un peu mieux classé que toi, où à chaque fois t'es en perf et t'arrives à le battre plusieurs fois? Au hasard, ça, j'ai pas vraiment de joueur en tête comme ça. Je sais qu'avant j'avais un joueur, je sais pas si tu connais Linju, Ah bien sûr, le défenseur, ouais. le défenseur, Si je dis pas de ouais. bêtises, Lui. c'était un truc genre... pas Porto Rico, mais il a joué pour République Ah dominicaine. ouais, Rebdom, voilà, c'est ça. Ouais. Bah lui, il était 30 mondial et je sais que j'avais battu, mais un nombre de fois.
Donc ouais, lui, je l'aimais vraiment bien. Mais après, là, un joueur vraiment qui me réussit bien comme ça à chaque fois, j'ai vraiment pas en tête. Ok, bon, si ça te revient, tu n'hésiteras Ouais. pas à le dire. Ah Ouais. bah, ta meilleure perf, du coup, c'est qui? Ma meilleure perf, c'est Aruna ou Christian Carlson. Ils étaient à peu près le même classement mondial. Ils étaient 3, 16 ou 17 mondial, je crois. Ah, c'est beau, hein? Ouais. C'est beau, c'est beau. Et en plus, Ouais. Aruna, tu le bats pour. C'est un match de qualif, non? Un truc important, je crois. Ouais, c'est un match de qualif, Ouais. ouais. Je m'en souviens, j'avais subi ça. Ouais. Ok. Alex, je vois ta question aussi, on va la garder pour après, elle est intéressante. Ou quoi que, ah, tiens, je vais peut-être la lire maintenant parce qu'on parlait du Sénégal et tout. Y a Alexis qui nous demande, est-ce que c'est toi qui choisis les WTT que tu fais ou est-ce que c'est ta Fédé qui te demande de les faire? Non, c'est moi. C'est moi qui fais mon programme. C'est moi qui fais mon programme, qui choisit, qui définit un peu les objectifs. Le Sénégal, bon, ils sont un peu en retrait sur tout ça parce qu'ils n'ont pas forcément le savoir nécessaire pour quoi faire. Donc, du coup, c'est moi D'ailleurs, il y a un autre qui. joueur sénégalais ou... Ouais, il y a Amidou Sow. Ouais, bon, il est quand même beaucoup moins Ouais. fort. C'est mon Ouais, niveau, il est beaucoup moins Amidou, donc. fort. Ouais. Mais ouais, bah, c'est le numéro 2. Donc voilà. Mais Ok. sinon, bah, après, ouais, c'est ouais, moi qui fais les sorties. Les derniers championnats d'Afrique, c'est moi. Donc, Et donc, c'était un choix de ta part aussi de choisir le Sénégal. ouais. Ouais. Ouais, c'était un choix. Bah, ça faisait un moment en fait qu'il me voulait. Et voilà, bah, ça s'est fait après les Jeux de Rio. J'ai dit, bon, allez, j'ai vraiment envie de faire les Jeux. Moi, j'ai vraiment appris le haut niveau. C'était quand je suis parti en Suède. Et donc, du coup, franchement, les mecs, ils m'ont dit que. Fait, bah, les mecs, on se dit, m'ont dit vraiment faire les Jeux, c'est une expérience incroyable. Il faut vraiment que tu le fasses, quoi. Donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Ok. Et parce que c'est ton papa qui est du Sénégal et ta mère, elle C'est ça. est Elle est malienne. Mali, ok. Et Mali, ils ont une fédé, Bah, en fait, à la base, moi, je voulais être pour le Mali, mais en fait, ils n'ont pas de eux? fédé. Donc, du coup, ouais, j'ai pris le Sénégal. Ok. Ça marche. Ça marche, ça marche. Et quand tu pars en WTT, là, c'est à tes frais ou la fédération te finance? Ouais, c'est à mes frais. Après, j'ai un sponsor Ouais. au Danemark. Et après, bah, il y a Andro aussi qui m'aide. Mais en fait, ouais, en fait, c'est vraiment à mes frais. Genre, j'ai un budget à respecter. Et puis après, avec ça, je prends tout. Je prends un préparateur physique, mental, mes WTT et tout, quoi. Donc, Ok, donc, et tu prends un donc coach ouais. aussi qui te suit sur les WTT? Bah, non, c'est trop cher. C'est ça, en fait, c'est malheureusement, c'est ce qui est triste. C'est que, en fait, la chose dont j'ai le plus besoin, c'est la chose là vraiment la plus chère et quasiment impossible à m'offrir. Et en fait, c'est d'avoir un coach qui me suit, que ce soit au quotidien ou en WTT. Donc en fait, bah, du coup, j'ai vraiment tout autour de moi, préparateur physique, préparateur mental, un endroit pour m'entraîner. Mais en fait, vraiment, ce qui manque, c'est vraiment l'entraîneur, c'est ce qui Ouais. coûte le plus cher, quoi. Donc, bon, je suis dispo si jamais hein, t'as besoin de. le Terre qui me dit, je crois que c'est Mehdi Boulsa qui est de coach. Ouais, bah, comme ils sont potes, hein, c'est ça. Dis-moi si je me trompe pas, mais comme quand vous n'avez pas de coach, parce que lui aussi avec sa fédé, c'est un peu compliqué. Ça se coach de temps en temps quand vous pouvez, quoi. Exactement, c'est exactement ça. En fonction des matchs, si moi je joue avant et que Mehdi joue après, ben je vais le coacher et vice-versa, quoi. Et Ouais. on a toujours marché comme ça. Ouais, bah c'est cool un peu dans... Et même ça peut tu peux le faire avec les joueurs français aussi. Ouais, bah, je fais vraiment avec Mehdi parce que c'est mon pote, on se Ouais. connaît. Bah, toi, par exemple, les années de pôle que j'ai dit, on les a toutes fait ensemble. On est parti aussi au pôle Nantes ensemble, donc du coup, on se connaît très très bien. Il est venu aussi en Suède avec moi. On a fait 2 ans en Suède, donc en fait, on se connaît très 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 bien, quoi. Ouais. Donc, et en plus, on a le même objectif. On joue pour l'Algérie, il joue pour le Sénégal. Il y a la place pour nous deux pour nous qualifier aux Jeux, donc du coup, on se tire vers le haut. Ouais, c'est cool ça. Ok. Bah, c'est intéressant tout ça.
C'est intéressant. Et quand tu dis c'est trop cher d'avoir un coach en WTT, c'est la rémunération que demande le coach ou c'est juste en fait tu trouves pas quoi un... Bah en fait, ouais, c'est deux. Déjà, moi, je pars du principe que, et en fait, c'est pareil avec les gens qui travaillent avec moi aussi, je pars du principe que c'est gagnant-gagnant, tu vois. Je vais pas, par exemple, si je prends un coach, c'est aussi pour que la personne gagne sa vie. Donc, tu vois, j'ai pas envie de prendre un coach, je dis, écoute, tu fais des sacrifices. Je sais pas, moi, tu quittes ta famille pendant un mois. Tu vois, là, par exemple, j'ai fait deux semaines à Doha, une semaine en Inde. La personne est part, tu vois, elle quitte sa famille, etc. et tout. C'est un sacrifice, quoi, tu vois. Donc, du coup, en fait, c'est important que la personne soit aussi dans de bonnes conditions. Donc, forcément, aussi, si tu veux un entraîneur compétent, il faut aussi rémunérer la personne. Et puis aussi, après, il y a le coût qu'il faut payer à WTT pour l'accréditation, pour pouvoir avoir accès à la salle, etc., à l'hôtel et tout. Donc, ça aussi, avec le nouveau système WTT, bah, ça ne nous aide pas en plus à avoir des coachs un peu perso. Donc du coup, en fait, ça a vraiment un coût incroyable, vraiment incroyable. Ouais, bon, on va y revenir sur le WTT, sur le circuit. C'est un sujet à chaque fois qu'on aime bien aborder. On a à peu près tous les mêmes avis, donc c'est assez marrant. Ok. Mais par contre, tu parlais des jeux. D'ailleurs, t'as fait quel jeu, toi, du coup? Moi, j'ai fait les Jeux de Tokyo. T'as fait Tokyo? Ok. Donc, c'est incroyable, du coup. Ah, franchement, en fait, tu vois, moi j'avais plein de sportifs et de vrais sportifs. Hein. Je me souviens que j'avais discuté avec Karabatic. On était dans le village des Français. Donc, du coup, j'avais vraiment discuté. On avait même joué au ping avec Larbi, avec Teddy Riner et tout. Ouais. Et en fait, les mecs, tu vois, ils étaient un peu. Tu vois, un peu. Bon, c'est les jeux, mais. Pas la même chose parce qu'il y avait le Covid, Ouais, quoi, tu ouais, vois. ouais. Mais moi, j'ai trouvé ça incroyable, tu vois. Même s'il y avait personne, je trouvais ça vraiment incroyable, quoi. C'était vraiment une expérience où, en fait, on peut vraiment, vraiment, vraiment pas la décrire. C'est faut vraiment le faire pour le vivre, quoi. En fait, c'est comme si, en fait, tu es à Disneyland et t'as que, en fait, que des personnes qui sont super, super contents d'être là, en fait, tu vois. Et tu vois. Les mecs, ils ont tous le sourire, tous la banane, ils sont tous, tu vois, déter. Et tu vois, il n'y a pas de personne, en fait, qui est malheureux. Même si, tu vois, malheureusement, tu perds au premier tour. Tu vois, moi, je l'ai fait. J'ai perdu au premier tour et tout. Écoute, j'y étais, j'ai appris. Voilà, c'est comme ça. J'espère vraiment que je vais faire les Jeux de Paris. Mais vraiment, enfin, vraiment, de voir un nombre de personnes heureuses comme ça, c'est vraiment un truc de. Ah, c'est vraiment un truc incroyable. Vraiment Ouais. la meilleure expérience sportive qui soit, quoi. Franchement, c'est incroyable. Ouais, trop bien. Et t'en es où de la qualif Paris du coup? Bah, du coup, nous, ça va se jouer vraiment à la qualif africaine. Donc, du coup, il y a 4 places en Afrique. Et ça, c'est sans l'Égypte qui s'est déjà qualifiée. Ouais, parce que l'Égypte s'est qualifiée déjà en par équipe. Donc du coup en fait la qualif va se jouer sans l'Égypte. Ok, mais c'est une qualif par équipe ou indiv? C'est une qualif individuelle. Ouais, ok. Ouais. Ok. Et du coup, ça va être en Afrique là? T'as les dates déjà? Ouais, alors les dates, alors elles sont pas fixes, mais ça va être mi-mai. Et ça va être au Rwanda. Ok. Alors Rwanda, c'est un pays qui a l'air magnifique. Je suis jamais parti, mais j'ai regardé un peu. Le seul truc, c'est que c'est à 1800 mètres d'altitude. Et je sais pas si tu as déjà joué à 1800 mètres d'altitude, mais Ah ouais. bah, ouais, ça vole, mais ça vole grave. Donc, du coup, va falloir vraiment être préparé parce que tout peut se passer. Tout peut Ok. se passer. Ok. Et tu pars dans les favoris ou compliqué? Ouais, je pars dans les favoris. Ouais. Il y a qui te fait un peu peur là? Il y a qui me fait un peu Mehdi va peur? les faire, Mehdi. Mehdi va les faire. Aruna, c'est normal. Ouais. T'as Fabio Rakoto, Ouais. qui a un jeu Formé en assez France aussi, chiant. lui. Ouais, qui est en France, exactement, qui joue pour Madagascar. T'as genre des petits jeunes comme Wessim, tu vois, tunisien. Ouais, je vois. Ouais, qui peut être dangereux. T'as aussi voilà, t'as aussi des Algériens, ben
Je sais pas qui vont prendre l'Algérie parce que tu vois, il commence à avoir une petite rivalité entre eux. Tu vois, pour la deuxième place, ben Mehdi c'est le numéro 1. Et puis voilà quoi, tu vois, il y a des joueurs, tu vois, qui sont dangereux. Tu vois, il va vraiment être bien préparé et faire le taf, quoi. Ok, et tu connais le format de la qualif? Pas encore. Pas Ok. encore. Ouais. Et le format qualif Tokyo, c'était quoi? Alors le format c'était alors je me souviens en fait il y avait plusieurs poules de 3, donc tout le monde faisait les poules. Ensuite il y a eu un match de barrage où les 1 jouaient contre les deuxièmes de poule. Ok. Et ensuite après ça t'avais et donc ensuite après t'avais deux poules de 4 à la fin. Et Ah, ceux qui ensuite avaient tous ceux qui avaient gagné les barrages, ils se retrouvaient en poule de 4. ils se retrouvaient en poule de 4, exactement. Ouais. Ok. Et après c'était ouais. Et ensuite, c'était les deux premiers de chaque poule, des deux poules en fait qui se retrouvaient qui étaient qualifiés au jeu. Ok. Ouais. Ok. Bon, potentiellement ça pourrait être ce format, non? C'est possible. Je me souviens qu'ils avaient fait ce format-là pour en fait essayer d'avoir les meilleurs joueurs africains. Tu vois, pour se qualifier au jeu, tu vois. Ils voulaient pas que ça se joue vraiment que Ah sur un oui, ouais, match. ok. Ouais, je me souviens que c'était ça la raison. Donc ils voulaient vraiment pas que ça se joue sur un match. Ils disaient que ça arrive de se trouver, hein, c'est comme ça, hein, c'est vraiment une qualif, c'est possible. Donc du coup, ça laisse un peu une chance aux mecs qui se sont trouvés en fait d'essayer de s'en sortir quand même, quoi. Ok, désolé, je sors un peu du cadre, mais les JO, ça m'intéresse grave. Ouais, pas de soucis. Ok. Et t'avais perdu qui à Tokyo, toi? J'avais perdu comment il s'appelle Clarence Hsu. À Singapour, un truc comme Singapour. ça? Ouais, Ouais, ok. Singapour. Ouais. Ah ouais, c'était un match à ta portée, non? Ouais, c'était ben alors ça avait l'air d'être un match à ma portée, mais le gars était tellement solide quand je l'ai joué. Franchement, il m'a rien laissé. Franchement, avec Nad. On s'est dit, ben, franchement, le mec, il m'a rien laissé, quoi. Tu vois, il avait été vraiment bon, bien préparé. Tu avais l'impression qu'il avait fait ça avant et tout. Les jeux, c'est vraiment quelque chose de spécial, franchement. Je sais que je me souviens, j'avais beaucoup de discussions avec Michael Mays parce que avant d'aller au jeu, pour me préparer là-dessus. Mais en fait, il m'a même dit, j'ai beau te préparer comme tu veux tant que tu l'as pas vécu. Tu vois, tu. Ça va être Ok. compliqué, tu vois. Ouais, il y a tellement de joueurs en fait qui se sont déchirés en fait pendant les jeux. Tous en fait, tous les mecs en fait sont passés par là. C'est rare, tu vois, que les mecs ils arrivent à tout déchirer comme ça au jeu. Donc vraiment, c'est, tu vois, c'est pour ça qu'en fait j'ai envie de reprendre ma revanche au jeu, tu vois. Je l'ai fait Ouais, une fois, j'ai tout noté ouais. et vraiment vraiment tout noté. Je me suis dit, écoute, là je sais que les prochains jeux, bah, je referai plus ça, plus ça, plus ça, et je ferai ça à la place, quoi. Ouais, ok. Et du coup, là, si on reparle des coachs, quand tu pars sur les jeux, par exemple, t'as un coach quand même. Là non, j'ai À pas. Tokyo, ah, à Tokyo, t'avais quelqu'un. Ouais, à Tokyo, j'avais Nathalie Molin. Ah, ok, c'est cool. Ouais. Et là, si t'es qualifié à Paris, t'auras personne. Pour l'instant, non, j'ai personne. Parce qu'en Tu. fait, avec Nat, on avait travaillé ensemble pour les jeux. Donc du coup, pendant 3 ans, voilà, pendant 3 ans, c'était vraiment mon entraîneur, mais j'avais vraiment rien à lui offrir à part les jeux. Donc pour lui, il m'a dit, écoute, moi ça me va, c'est une expérience de malade, si tu m'emmènes et tout machin, ça va, il n'y a pas de souci. Puis bon, il avait son travail à côté à Metz, voilà quoi. Mais Donc toi, tu t'entraînais où quand il était avec toi? je m'entraînais au Danemark. Et il venait au Danemark. Alors avant les jeux, il était venu au Danemark. Avant les jeux, il était venu un mois avant. Donc en fait, un mois avant, on a fait la prépa ensemble. Il est venu au Danemark, j'ai tout pris en charge, et puis après on est parti du Danemark, on est parti à Tokyo, et voilà. Et puis c'est là où je parle en fait un peu du sacrifice. Lui, il a fait un mois et demi, même un mois et demi, 2 mois avec moi, quoi, tu vois. Il est parti, il est venu un mois, on a fait toute la prépa ensemble. En plus, c'était avant le Covid, enfin non, c'était même pendant le Covid. Donc du coup, c'était interdiction d'avoir le Covid. On était dans une bulle. Ah, la bulle. Fermé, on avait des tests toutes les semaines avant et tout.
Donc du coup, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment impossible de sortir, etc. Et puis après, on est parti à Tokyo. On était enfermés. Puis après, c'est là, après un mois et demi ensemble, ben, c'est là où il a pu rentrer chez lui, quoi. Ok. Bon, je te répète, je suis dispo hein, pour Paris si tu cherches. Ah, je plaisante, je plaisante. Mais ça serait fou quand même d'être qualifié et que t'aies personne sur le banc, quoi. Ouais, c'est fou, mais je préfère vraiment. Ça affecte beaucoup hein, le fait d'avoir une personne dont t'as pas confiance. Et puis après, vraiment, c'est si Mehdi et moi on se qualifie, bah Mehdi me coachera. Mehdi Ouais. me coachera. Ok, mais si ce Mehdi se qualifie pas et que toi tu te qualifies, t'es tout seul au JO. Je l'emmène, c'est pas grave, c'est à Saint-Denis, c'est chez lui, il habite à Saint-Denis, c'est pas loin. Non, le ping, je crois, c'est Porte de Versailles, je crois. Ah ouais? Ouais, c'est dans le 15e. Ah. Bon, c'est pas loin de toute C'est façon. pas loin. Ouais. Ok, c'est bien qu'on ait parlé de Nathaël et de coach, puisque ça permet de faire la transition sur autre chose que je voulais aborder derrière. C'était la relation entraîneur-joueur. Quelque chose qui m'intéresse pas mal aussi, qui intéresse pas mal les viewers. Quelle importance tu demandes? Alors toi, du coup, c'est un peu biaisé parce que tu n'as pas de coach actuellement et tu n'as personne là qui te suit depuis les dernières années, de ce que j'ai compris, à part Nathaël, il y a 4 ans déjà. Mais quelle importance tu donnes à la relation entraîneur-joueur et plus globalement, c'est quoi pour toi un bon entraîneur? Alors, bah, en fait, la relation entraîneur-joueur, pour moi, Salut est lorsque. Jo-Georges. Salut Jo-Georges. Pardon? Non, je dis bonjour au viewer qui arrive. Excuse-moi. Alors, pour moi, c'est plus que du tennis de table, tu vois. Et je pense que c'est très important, ça. En fait, c'est plus que une. En fait, l'entraîneur doit tout savoir du joueur. Donc, ça veut dire. Au niveau de son jeu, ça c'est voilà, ça c'est normal. Au niveau de sa situation familiale et au niveau de sa situation aussi extra-sportive, tu vois, de ce qu'il fait à côté, s'il fait des études, si il fait attention à comment dire à son après-ping, tu vois, à essayer de je sais pas moi d'économiser de l'argent, etc. et tout. Vraiment, l'entraîneur, c'est plus que du tennis de table. Tu vois, et il doit faire tout ça. C'est un deuxième parent, quoi, presque. Ouais. Exactement, c'est vraiment un gros, c'est un manager, c'est vraiment, c'est lui, il va t'aider. Et en fait, et ça, je te parle vraiment de tu vois, au niveau où bah, tu vois, vraiment du très haut niveau, tu vois, du très très haut niveau, c'est ça. Après, il y a vraiment, tu sais, y a différentes phases. Par exemple, tu vois, en tant qu'adolescent, l'entraîneur, en fait, il doit aider à l'adolescent d'être déjà quelqu'un de bien, pour commencer. Pas un bon joueur de ping, mais quelqu'un de bien. Ça veut dire quelqu'un qui, en fait, qui s'entraîne à faire des bons choix, tu vois, à laisser le gamin faire ses choix tout seul, tu vois, pas lui imposer, pas lui. Parce que il y a plein d'entraîneurs, je ne cite pas de nom, mais il y a plein d'entraîneurs, en fait, qui ont imposé aux joueurs, fais ci, fais ça, etc. et tout. Et le truc, c'est qu'à partir de. Et en fait, quand tu pars en fait, dans cet aspect-là, en fait, le joueur est incapable de faire des décisions tout seul. Et ça, c'est le pire. C'est le pire des choses à faire, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment de développer en fait, l'adolescent à être un professionnel, d'être quelqu'un de bien, de faire ses bons choix, etc. Et à partir de là, donc à partir du moment où tu arrives à, je ne sais pas moi, 19 ans, là. Bah, si en fait tu as réussi, bah, tu vois, par exemple, ton joueur c'est un espoir, etc. et tout, et bah, c'est là où en fait, il faut que le joueur il se crée son propre staff, tu vois. Le mec il sait ses objectifs. Il dit, écoute, voilà, moi j'ai envie d'être champion du monde, j'ai envie de faire les JO, j'ai envie de voilà, faire champion d'Europe, peu importe, tu vois. Mais au moins à ce moment-là, le joueur il sait exactement ce qu'il veut, et puis après, c'est à l'entraîneur d'essayer autour de ok, tu veux ça, bah, je vais faire en sorte de t'aider à avoir ça, tu vois. Et en fait, je pense que c'est vraiment important de suivre en fait ces étapes-là. Et comme ça, après, le joueur, il est juste concentré sur son tennis de table, il fait son truc, etc. Et en fait, l'entraîneur, eh ben, il fait en sorte de protéger le joueur. Tu vois, c'est le joueur au centre du projet. Et puis après, tu as l'entraîneur, tu as le prépa physique, le prépa mental, etc. Et tout. Et en fait, je dis ça parce qu'avec Nat Molin, à l'époque, nous, on a eu cette démarche-là. Celui qui m'a présenté cette démarche avant, c'était Peter Carlson, qui est pour moi en fait un des meilleurs entraîneurs
que je connais. Et en fait, c'est vraiment le joueur. Et puis après, tu te crées ton staff, tu vois, autour. Et en fait, le but de l'entraîneur, c'est de t'aider justement à créer ça et à avoir cet équilibre, tu vois. Ping, vie familiale et ton avenir. Ok, c'est intéressant ce que tu dis, mais je suis assez d'accord avec pas mal de choses. Mais j'avais posé la question à Flo Bourassa qui était venu il y a quelques semaines. Et donc toi, tu es quand même plutôt partisan d'avoir une certaine distance entre le joueur et l'entraîneur quand même. Genre vraiment, parce que tu sais, lui, Flo par exemple, Flo Bourassa, il préfère quand tu es pote quoi en fait avec l'entraîneur et tu partages plein de moments de la vie et tout. Et moi, je trouvais ça pas dérangeant quand le gamin il est majeur, tu vois, ou la gamine d'ailleurs. Mais avant, pour moi, il doit y avoir une vraie distance entre l'entraîneur et le joueur, tu vois. Ils peuvent pas faire des soirées ensemble, des trucs. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Non, ça c'est pas possible. Après, tu vois, vraiment en fait, en tant que en fait, c'est pour ça que je dis, il y a deux trucs. En fait, c'est qu'en tant que jeune, tu vois, quand c'est jeune, c'est adolescent, ben en fait, il faut que l'entraîneur en fait apprenne aux joueurs comment être un professionnel, tu vois. C'est ça en fait, le plus important. Donc forcément, le tu vois, c'est pas pote, mais c'est vraiment un parent, tu vois. C'est vraiment quelqu'un en fait qui va t'éduquer, tu vois. Mais il va t'éduquer dans le monde du sport, tu vois. Et en fait, après, tu vois, après ça, oui, après, c'est une amitié, tu vois, qui se développe, qui se crée, tu vois, en tant que senior. Mais en jeune, le plus important, c'est vraiment que le joueur, en fait, il devienne une bonne personne avant tout, tu vois. Avant tout. En fait, pour moi, être une bonne personne, c'est beaucoup plus important que d'être un bon joueur de ping. Ouais, je suis bien Voilà, tu d'accord vois avec ce que toi. tu sais. Ouais. Tu vois, c'est beaucoup plus important. Tu vois, si t'arrives, je sais pas, t'as un joueur et le mec, c'est un salaud et il fait n'importe quoi, il fume, machin et tout. Il a moins de chances de devenir, tu vois, un sportif vraiment accompli, tu vois, après. Mais par contre, si tu dis, la personne, en fait, elle a l'entraîneur, il arrive à apprendre au joueur d'être professionnel, d'avoir une certaine intégrité, etc. Il y a plus de chances, en fait, que le joueur, en fait, fasse des bonnes décisions, etc. et tout pour son ping, tu vois. Et après, devenir un bon et une bonne personne. Et ensuite, après, un bon joueur. Ça, Ok. c'est mon avis, hein. Ouais, C'est ouais. pas là, mais je pense que ça, en fait, c'est important. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, en fait, qui oublient ça. Et en fait, moi, quand je suis arrivé en Suède, moi, c'est ça qu'on m'a dit, tu vois. Et c'est ça qu'on m'a fait comprendre. Dis, le ping, c'est bien, mais faut que tu sois une bonne personne avant tout, tu vois. Faut que tu sois un professionnel avant tout, tu vois. Ouais. Faut que tu t'occupes, faut que tu sois bien, faut que tu pour vraiment être performant au ping, bah faut que tu sois stable financièrement. Faut que tu aies des projets sur le futur, tu vois, le à côté, qu'est-ce que tu fais à côté, tu vois. Et en fait, c'est ça, et tout ça, en fait, quand tu as tout ça qu'en fait qui est établi et posé, bah, en fait, tu en fait, t'as pas de problème tu t'occupes, et en fait, tu fais que jouer au ping-pong, quoi. Tu penses pas à tout ce qu'il y a autour, etc. Pense pas de questions mon futur. Non, c'est tout ça, c'est déjà établi. Moi maintenant, c'est que le tennis de table. Ok, donc je voulais enchaîner sur les services cachés, mais ça vient après. Mais tu vois, par exemple, je préfère largement, mais ça rejoint grave ce que tu dis, je préfère largement un joueur qui va perdre loyalement, tu vois, en servant correctement, plutôt qu'un joueur qui va gagner des matchs avec le service caché. Et on en parlait aussi la dernière fois, je pense que ça fait partie de la formation de l'entraîneur, tu vois. Bah, est-ce que tu formes. T'es OK dans ta conscience pour former un joueur qui va servir caché, qui va tricher, tu vois? Et ça revient en fait à former une personne, un sportif, un humain, un bon humain, quoi, comme on dit. Voilà, Ouais. clairement. Bah moi je pense que c'est ça, vraiment ça avant tout. Et vraiment, tu vois, un mec comme tu vois, les Lebrun, c'est des mecs super, tu vois. Simon, c'est des mecs super.
Tu vois, un mec comme, tu vois, Timo Boll aussi, c'est un mec super. Et puis après, je dis ça, c'est les Français, mais surtout après, regarde les Nadal, les Djokovic, machin et tout, les mecs, c'est une intégrité incroyable, quoi, tu vois. Tu vois, c'est vraiment les mecs, c'est vraiment des... En tant qu'athlète, t'admires, surtout ce qu'ils font à côté, tu vois. C'est incroyable, tu vois. Et pour moi, en fait, ça, pour moi, c'est vraiment des hommes bien, tu vois. Ouais, je suis bien d'accord. Bah merci pour cette réponse, c'est intéressant. Donc, toi, on a un de Modo qui dit tricher si c'est bien fait, c'est bon. Non, 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 non. Non, les gars, non, non. Ah, là, je vais ban tout de suite. Après, Benoît Paire, j'adore. Non, non, je peux pas te laisser dire ça. Ne trichez pas. Ça ne sert à rien de gagner en trichant, ça vous rattrapera. Et il y a quelque chose qu'on appelle Jure. le karma, les gars, et il va vous frapper fort après. Je te jure. Alors, pour ceux qui te suivent un peu, Iba, tu as aussi créé ta chaîne YouTube qui parle de ping. Et notamment, tu es pas mal actif avec des vlogs où tu pars, enfin, tu te filmes quand tu es en WTT, en sortie, à l'entraînement, etc. Donc, c'est en anglais, hein, tout est en anglais. Et je crois que ça commence à pas mal marcher puisque tu as pas mal de vues, des retours assez positifs et tout. Ma première question par rapport à ça, c'était pourquoi avoir créé cette chaîne YouTube? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, déjà, en fait, c'est vraiment apporter, tu vois, aux gens la vraie vie, en fait, de sportif de haut niveau. Et surtout sur les WTT, sur les compètes, comment ça se passe. Après, le vrai but, c'est vraiment essayer justement de trouver des sponsors externes pour pouvoir essayer de m'aider pour les WTT. Tu vois, parce que les WTT, ça coûte vraiment cher. Tu vois, j'ai un budget, c'est moi qui paye pas mal, tu vois, de ma poche, tu vois. Et en fait, bah, tu vois, le but, c'est vraiment, voilà, essayer d'avoir une visibilité pour essayer d'avoir des sponsors, etc. Et enfin, tu vois, pas des sponsors ping, mais des sponsors vraiment externes. Et ensuite, essayer, bah, tu vois, bah, voilà, de faire plus de WTT, etc. Et puis, en fait, je me suis dit qu'en fait, bon, qu'est-ce qui pourrait m'aider là-dessus? Je me dis, bah, les vlogs, ça marche vraiment bien. Les gens, en fait, ils veulent voir un peu les coulisses. Il y a eu le nouveau en plus, système de WTT qui est sorti. Donc, du coup, en fait, les gens, ils comprennent vraiment pas. Ils disent pourquoi les joueurs, ils se plaignent, etc. et tout. Donc, du coup, en fait, c'est pour leur faire voir aussi vraiment ce qui se passait vraiment en WTT. Et puis, en fait, à la base, c'était vraiment pour voilà, essayer d'avoir, tu vois, les jeunes qui veulent devenir pro, ben, voilà, par quoi passer, etc. et tout, quoi. Donc c'est vraiment ça la base, puis après c'est vraiment un truc que personne ne fait. Les personnes en fait qui fait des vlogs comme ça et qui montrent ça surtout dans le monde du ping. Donc voilà quoi, c'est un peu un mix de tout ça. Voilà quoi. Ok. Et si t'es qualifié au JO Paris, c'est quelque chose que tu vas faire? Je sais pas. Bah je sais pas, Est-ce que tu t'as les vois, droits déjà là. pour cette compète? Ouais, bah j'ai le droit parce qu'en fait j'avais fait un vlog déjà pour Tokyo. Donc du coup j'avais fait un vlog en deux parties de Tokyo mais en fait bah, du coup je pense à arrêter parce qu'en fait bah il y a eu un peu en fait c'est super je pense que ça marche très bien mais j'ai eu un contre-coup tu vois un effet un peu YouTube que j'avais pas pensé avant. Et c'est pour ça que bah, je vais arrêter en fait les vlogs sur WTT et je vais plus faire des vlogs sur ma préparation, etc. quoi, tu vois, avant et ma vie en tant qu'athlète, tu vois, ce qui se passe, Ouais, etc. ouais. Mais je vais arrêter les vlogs en compète. Ok. Est-ce que c'est la question que je voulais te poser après, ce contre-coup, ça c'est quelque chose. Est-ce que ça se traduit par. En fait, t'es beaucoup moins concentré sur ton ping et sur ta compète et tu penses plus à ta vidéo, à ton vlog. Est-ce que ça ressemble à ça? Non, même pas parce que tu vois, quand je fais mes vlogs. Tu vois, j'arrive toujours un ou deux jours avant ma compète. Donc, du coup, la plupart des choses que je fais, que je filme, c'est quasiment avant mes matchs, tu vois, avant ma compète, avant mes matchs. Donc, du coup, je suis vraiment préparé pour ma compète, etc. En fait, c'est vraiment en fait les commentaires, en fait, le contre-coup, Ah ouais. tu vois. Ouais, c'est les commentaires, en fait. Tu vois, c'est. Je sais pas comment dire.
Enfin, je sais pas comment dire pour pas offenser les gens, tu vois. En fait, c'est. Non, mais c'est quoi? C'est genre, t'as des remarques, t'as des insultes, t'as des. Non, j'ai pas d'insultes, mais par contre, j'ai des remarques en fait de personnes qui, en fait, qui vont toujours faire mieux que moi, tu vois. Alors que, bah, tu vois, les gens, ils n'ont pas la chance actuelle de pouvoir jouer un match, tu vois, que tu vois, je suis en train de jouer. Par exemple, je sais pas, mais là, par exemple, je joue sur Wong Chun Ting. Bon, je mène 6-0, tu vois, le dernier set, je le perds, tu vois. Et tu vois, les gens me disent, ouais, moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci. Je dis, non, tu vois, t'aurais pas fait ça, tu t'y es pas, tu vois. Tu vois ce que je veux C'est dire? clair. Voilà, Après, t'aurais pas perdu le set moi. si Ruben était sur le coaching, mais bon, après, ça c'est autre chose. Non, je te branche. Je te branche. Et bah, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que tu l'avais jamais dit nulle part, tu vois. Ouais, mais en fait, c'est ouais, j'ai eu en fait ce contre-coup-là en fait récemment où en fait tu vois, je mets une vie, tu vois, par exemple, c'est simple, mais tu vois, si je regarde, alors je me compare pas à Cristiano Ronaldo ou un truc, mais par exemple, je vois un mec Cristiano Ronaldo qui fait ça, je me dis, bon, oh, putain, c'est bien, mais tu vois, je vais pas dire Tom, j'aurais fait ça à sa place. Non, tu vois, j'aurais pas pu. J'aurais une crampe à sa place, tu vois. J'aurais pas pu faire tu vois, ce qu'il fait. Et en fait, c'est en fait ce contre-coup-là que j'ai eu, Ah, que j'avais pas ça en doit te fait au rendre début. fou. Ça te rend fou. Ouais, exact. Tu vois, et c'est ça en fait où. Alors après, je suis super content. La plupart des gens, ils sont super contents des vlogs. Franchement, ils sont super contents et tout. Mais il y a toujours, tu vois, allez, 5 à 10% des personnes qui vont toujours faire mieux que moi. Ou qui seront plus affûtés que moi, ou qui seront un meilleur coup droit que moi, ou qu'un truc. Alors je dis, tu vois, c'est facile, tu es assis, tu regardes mon chaîne et tout. Donc, franchement, je préfère à la limite qu'ils me disent, tu vois, hey, le son, il n'est pas terrible, tu vois, tac. Et tu vois, là, je vais essayer de le régler, tu vois. Mais tu vois, où c'est pas en HD et tout, machin, ouais, tu vois, là, je vais m'arracher. Mais après, vraiment, j'ai vraiment, vraiment eu beaucoup de commentaires, en fait. Et en fait, où je me suis dit, bon, tu vois, ça vaut pas le coup, en fait, d'avoir 1% de mon énergie mentale sur ça. Tu vois, ça vaut pas le coup. Tu vois, ça vaut pas le coup de perdre un match à cause de ça, tu vois, de mettre en péril sa qualif à cause de ça, et si ça me prend un peu la tête. Donc du coup, je me suis dit, écoute, on tac, on range, et voilà quoi. Enfin, j'aime bien YouTube, j'adore ça, hein, c'est super. Tu vois, et ma chaîne, tu vois, elle marche bien, j'ai vraiment une jolie communauté et tout. Peut-être que sur les vlogs en compète, je vais arrêter. Ok. Ouais, j'ai balancé là le lien de la chaîne de Iba, ceux qui connaissaient pas. Allez faire un tour, c'est hyper intéressant. T'as Nala qui nous dit c'est top de faire partager les coulisses. Ceux qui te disent quoi faire n'ont rien compris. C'est bien vrai. C'est bien vrai, c'est bien C'est vrai. vrai. C'est bien vrai. Ouais. Ok. Ok. Iba, t'es pas tout jeune? T'es 94 toi, non? 92. Ah, t'es un 92. Ok. Ouais. Donc là, t'as 32 ans cette année. Oui. Alors même si dans le ping je pense qu'on peut dire qu'on dure un peu plus longtemps que dans d'autres sports par exemple, t'as quand même l'après-carrière qui va arriver vite. Est-ce que t'as déjà pensé, est-ce que t'as des pistes, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut t'intéresser après avoir fini ta carrière de sportif de haut niveau? Ouais, alors moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est préparateur physique. Ok. Bon, Ouais. net, efficace, précis, tu sais où tu vas. Ouais, franchement, c'est ça. Ouais, franchement, en fait, mon rêve, ça serait vraiment de suivre un athlète, soit un tennisman, un badiste, une équipe de foot, ou tu vois. Ça, c'est vraiment, tu vois, mon rêve, tu vois, de vraiment rester au niveau de la performance. Mais pas forcément dans le ping du coup. Là, je trouve qu'en fait, le ping, malheureusement, c'est limité, en fait. Tu vois, t'as une C'est limite, limité t'as sur quoi? vraiment bah, sur l'expérience, les revenus aussi, pour être honnête, je suis clairement honnête avec toi Ah, sur les je te revenus. répondrai après sur les revenus, vas-y, je t'écoute. Ouais. Voilà, c'est l'expérience et les revenus, voilà, c'est ça. Ok. Moi, pour les revenus, j'ai toujours eu ce discours-là où c'est vrai que quand tu entends parler du ping et tout, tu te dis ouais, sport pas trop représenté, pas trop médiatisé, c'est dur d'en vivre et tout. Et en fait, moi, je me rends compte qu'on est pas si mal loti que ça.
En France, hein, je te parle, après dans les autres pays, je sais pas, mais on n'est pas si mal loti que ça. Parce que je compare toujours avec d'autres sports. Donc toi, t'es 100 mondial, t'es 60 français à peu près. Tu vis bien, je pense, ça va. Ouais. Et en fait, quand tu compares, si tu vas en athlé, le top 100 français, il n'a pas de salaire. Si tu C'est vas au vrai. hand, ah, peut-être pas au hand, mais tu vas en escrime, le top 100 français, il n'a pas de salaire. Plein d'autres sports qui sont plus médiatisés que le ping, tu vois, au JO notamment, par exemple. Et en fait, on est plutôt bien lotis. Même nous, les entraîneurs, ça va de mieux en mieux. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était dur. Là, ça va de mieux en mieux. Tu vois, les Simon, Alexis, Félix, ça gagne, c'est comme des joueurs de Ligue 2, tu vois, presque. Moi, je trouvais que c'était plutôt positif, là, les années qui défilaient pour nous, le ping. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, tu vas pas gagner autant que si tu es préparateur physique au foot, notamment si tu vises le haut niveau, ça c'est sûr. Mais bon, je sais pas ce que tu en pensais, je trouve que ça va, quoi. Même en natation, tu vois, les joueurs vont gagner plus qu'en natation. En fait, à part tennis, basket, rugby, foot forcément, derrière, on n'est pas si mal le ping, tu vois. En fait, on faut dire merci au club. Club et C'est sponsor, ouais. ouais, c'est vraiment faut. Et puis aussi pas aux villes, tu vois, aux mairies, parce que C'est ça. c'est vraiment la première source de revenus. C'est en France. Après, par exemple, en Allemagne, c'est les sponsors. C'est vraiment ça se passe que sur ça. Mais en France, c'est les mairies, c'est les collectivités. C'est là en fait où on a vraiment beaucoup beaucoup de chance. Et je ne sais pas pourquoi le ping fait partie vraiment des sports les plus rémunérés, tu vois, dans le monde professionnel. Ouais. Mais vraiment, on a vraiment beaucoup de chance que c'est. En fait, le ping, c'est. Franchement, même si je te pose la question, enfin, moi, quand on me pose la question, j'ai du mal à y réfléchir. Pour toi, le ping, c'est un sport individuel ou un sport par équipe? Non, c'est un sport individuel pour moi. Pour toi, c'est un sport individuel, t'es sûr? Bah ouais, c'est un contre un, 90% des matchs, c'est un contre un à part les doubles. Non, mais je suis d'accord. Mais par contre, quand par exemple, aujourd'hui, là, je vais jouer, enfin, la semaine prochaine, je joue contre Angers. C'est la Romagne contre Angers. Ouais. Ouais, mais c'est au Mais. final celui qui rapporte le point pour son équipe s'il a gagné à un contre un, tu vois. Je suis d'accord, mais le truc, c'est que c'est la Romagne qui me paye. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est la Romagne qui me paye. C'est la Romagne qui Ouais, fait la mais compo, qui me dit. alors peut-être Mais. faudrait créer une troisième case, tu vois, parce qu'on peut pas le mettre en sport collectif non plus. Vois? Bah, c'est là où c'est pour ça que je te titille. Je sais très bien. Pour moi, c'est un sport individuel. Tu vois? Mais je ne peux pas dire à 100% que c'est un sport individuel. Parce que je dépends. Et c'est malheureusement, je dépends de la Romagne aussi. Parce que c'est eux qui me rémunèrent, c'est eux qui disent, écoute, on va jouer sur un tel joueur. Bah, je vais placer un tel en fort, tel en fort, tel en fort. Et voilà, maintenant, c'est à vous d'essayer de marquer les 3 points, tu vois. Et dans cette position-là. Et c'est là où, en fait, où vraiment le ping, c'est un sport individuel, c'est un sport collectif, mais qui joue en individu. Comme ça que je vais le dire. Tu vois. Ouais, ok, je vois où tu veux Ouais. venir, ouais. Je vois où tu veux venir. Ouais, Après, dans la définition stricte, c'est un sport indie. un sport indip, ça je suis tout à fait d'accord. Mais le truc, c'est que par exemple, demain, tu m'enlèves le club, donc du coup, tu m'enlèves la Romagne, demain, je ne vais plus. C'est Ouais. impossible de vivre. Après, C'est le pas modèle est une mauvaise idée. différent, mais parce que j'ai si on compare même. Ah, tennis, je sais pas. Je sais pas si tu connais un peu mieux le tennis. Tennis, je sais pas si les joueurs sont rémunérés par des clubs. J'avoue que j'en sais rien. Bah alors, au tennis, c'est franchement, c'est purement sponsor. Et après, c'est vraiment les mecs qui s'arrachent. Ils font tous les tournois, tous Ouais, les après, il y a tournois. beaucoup Et plus à gagner aussi. en fait, il y a plein de tournois. Voilà, il y a vraiment énormément de tournois. Et c'est comme au golf, c'est pareil. Tu vois, il y a plein de tournois où tu as de l'argent à gagner. Et puis après, bah, c'est là en fait où tu investis un peu dans ta team, etc. Pour justement, et bah, si tu as un entraîneur, bah, tu prends un entraîneur et le mec va prendre, je sais pas moi, 10% de tes revenus sur ton prize money que tu as dans l'année, quoi, tu vois. C'est comme ça qu'au tennis ça marche, c'est comme ça qu'au golf ça marche, etc. Mais
Le truc, c'est qu'en fait, maintenant, à l'heure actuelle, avec WTT, c'est impossible. C'est impossible. Même un mec comme Hugo Calderano, là, s'il n'a pas de club, il peut pas. Là, il vient de faire finale Quoi, en ouais. Inde, là. S'il doit payer toute la semaine, donc avec WTT, plus son entraîneur, il n'est pas positif. Et il est en Allemagne, c'est ça? Il est en Allemagne, c'est ça. Ouais, Bundesliga. Mais il est pas positif, tu vois. Ouais, bah c'est en parlant de ça, j'ai hâte d'avoir Simon Gauzé en interview. Si Simon, tu nous regardes, j'ai hâte que tu viennes. Ça permet d'enchaîner, c'est parfait, sur le format des WTT. Parce que toi, t'en fais pas mal quand même, tu fais beaucoup de sorties. Je pense que je vais connaître déjà ton avis, ce que tu viens de dire. Mais, question ouverte, que penses-tu du format WTT actuel? Nul. Nul. Franchement, Pourquoi? Pourquoi? c'est le pire truc qui soit arrivé pour le tennis de table. Parce qu'en fait, moi, j'ai connu les deux systèmes. Et en fait, avant. Comment expliquer? En fait, ce que reprochaient un peu les joueurs avant, c'est qu'il n'y avait pas en fait assez de prize money. Surtout pour ceux qui faisaient les qualifs. Il n'y avait pas assez de prize money. Mais par contre, il y avait quand même pas mal de tournois. Donc moi, je me souviens, par exemple, en 2019, j'avais gagné l'Open d'Indonésie. Tu vois, j'étais revenu à la maison avec plus. J'étais venu avec ouais, plus 2000 balles. Tu vois. Et tu vois, je suis parti en Indonésie, j'ai fait la semaine, etc. Et tout. Tac. J'étais venu avec plus de 2000 balles. Donc, du coup, c'est pas mal. Tu Ouais, vois, c'est tu bien. fais 2000 balles, tu vois, sur une semaine, il y en a plein qui aimeraient bien faire ça, tu vois. Donc, surtout en Indonésie, au soleil et tout, c'est bien. Mais le truc, c'est que maintenant, c'est impossible avec WT de faire ça. C'est impossible. Impossible. Est-ce que Parce tout est qu'en trop fait. cher, quoi? Pardon? Tout est trop cher, en gros. Ben, en fait, c'est ça. En fait, ils te forcent en fait, à dormir dans des hôtels de luxe. Alors que nous, on n'a pas envie de dormir tu vois, dans les hôtels de luxe. Ils te forcent à payer 3 nuits, même si tu arrives et que tu fais 3 sets. Et ça arrive plein de fois où tu arrives, tu tapes un chinois, et là, tu fais 3 sets, et ils te forcent à payer 3 nuits. Et franchement, bah, les nuits, c'est minimum. Franchement, le minimum que je paye, c'est à chaque fois, c'est vraiment 200 dollars, entre 200 et 300 dollars, tu vois, la nuit. Donc, là, par exemple, là, j'ai fait le Qatar. J'ai payé 300 dollars la nuit. J'ai payé le billet d'avion qui coûtait à peu près 600 balles. Ça, c'est tout, tout à Et tes voilà. frais. Et toi, mes frères. Ah ouais, la Fédé, ouais, du coup, zéro, on en parlait tout à l'heure. Donc, du coup, ensuite, si imagine, j'ajoute un coach. T'ajoutes un coach. T'arrives et le truc, c'est que tu dois payer aussi ces nuits, le billet d'avion. Plus la nuit d'hôtel, donc du coup, en fait, tu doubles tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça, par exemple, je te dis, un mec comme Hugo, là, le mec, il fait finale d'un star contender. Il doit payer nuit d'hôtel, son entraîneur, toute la semaine, parce qu'il va à la fin de. Il va. Enfin, Ouais, il le a toute dernier la semaine, jour, ouais. jusqu'au dernier jour. Donc, du coup, il se paye 300 balles par nuit, plus le billet d'avion, plus lui et son coach. C'est impossible. Impossible qu'il finisse positif. Donc en fait, le seul qui a fini positif, c'est Félix. Mais encore là, parce que c'est un tournoi, c'est un star contender. Mais après, le mec, quand il fait un contender, il n'est pas positif. Tu vois? Alors qu'avant, c'est différent. Avant, avec Mehdi Bouloussa, on arrivait, on se prenait un Airbnb, on allait faire les courses, on ramenait ce qu'on mangeait à la maison. Et ben on arrive, on mange ça. Donc du coup, on arrivait, on prenait des légumes, des flocons d'avoine, machin et tout, pam, pam, pam. Non, arrêtez les gars, Et vous nous dire que vous mangez McDo, arrête, arrête, tu ah bah c'est ça, c'est après la compète, après la compète, après la compète, un petit McDo. Mais du coup, c'est dans les lois, mais non, j'avoue quand même, il y a quelques petits McDo, KFC, des Bah trucs oui, qui bah peuvent oui. passer. Bah, tu vois, moi avant, avant WTT, j'avais l'habitude en fait de manger le plat national de mon adversaire. Ok. Donc, jouant un japonais, je mangeais des sushis.
Je joue en italien. Bon, je prenais des pâtes, pas des pizzas, mais des pâtes, Ok. tu vois. En fait, j'avais cette habitude-là de faire ça. C'était marrant, ça me mettait dans mon match. Si tu Ça jouais en marchait français, très, très bien. tu mangeais quoi? T'as dit quoi? Si tu jouais en français, tu mangeais quoi? Bah, je mangeais allez, une petite entrecôte avec des pommes de terre, un truc avec une petite sauce Un petit béarnaise. plat bistrot. Ouais. Ouais, un petit plat bistrot, voilà, tu vois. Ok. Merci du follow, Aespa. Bienvenue. Ok. Mais Ouais. En fait, et en gros, ouais. WTT, c'est bénef pour le top 10 monde. Ouais, Parce qu'ils franchement, mais en ils plus, vont gagner les Champions. exactement, mais en plus, c'est des mecs en plus qu'ils ont vraiment budget illimité. Et en fait, c'est les Asiates, tu vois. Ils ont vraiment budget illimité. Franchement, quand tu vois Arimoto arriver, le mec, il a un relanceur droitier, un relanceur gaucher, il a un entraîneur. Il a un kiné, un mec qui s'occupe de son corps. Et ensuite, après, il a l'entraîneur dans la salle. Les mecs, ils sont cinq. Et le mec, Et il c'est n'est pas que tout pour seul lui. le japonais, hein. Il n'est pas tout seul le japonais, tu vois. Il est pas tout seul. Donc, du coup, c'est tous comme ça. Et les mecs sont tous comme ça. Lin Yongju, c'est pareil, etc. Donc, du coup, ce sont des mecs qui sont tous comme ça. Les mecs, ils ont un budget quasiment illimité. Donc, du coup, pour eux, c'est facile. Ils ont... Et en plus, après aussi, par exemple, les Coréens. Les Coréens, c'est différent parce que les Coréens, en fait, ils jouent pour, en fait, pour les entreprises. Par exemple, il y a un centre, c'est Samsung. Dès que le mec, en fait, il gagne un match en WTT, le mec, il reçoit 2000 dollars, tu vois. Donc, du coup, en fait, pour eux, c'est différent. Eux, en fait, ils s'en sortent. Mais pour nous, Européens, où notre première source de revenus, Les clubs. c'est le club, et c'est pareil pour tout le monde. Ça va de Ovtcharov à un joueur comme moi, c'est pareil. La première source de revenus, c'est les clubs. Donc, du coup, en fait, nous, on dépend de ça, tu vois. Moi, je suis vraiment, voilà, je suis tout à fait d'accord, on dépend de ça. Et en fait, WTC, ils ne comprennent pas, tu vois. Et donc, du coup, ça colle pas. En fait, on ne peut pas vivre de WTT, c'est pas possible. Ouais, bah c'est tout, c'est une machine, en fait c'est un business, c'est une machine à sous. En fait, on est des chevaux. En fait, ils se basent que sur des paris. En plus, on joue toujours dans des salles, c'est complètement vide. Ouais, bah. Franchement, Et les en salles fait, sont belles, ils sont hein. malins. Attention, hein. T'as dit que. Les salles sont belles, le Terraplex il est Ah non, propre, mais il n'y a personne. mais on joue dans des salles, Voilà. mais des fois, elle est trop grande, truc, et il n'y a personne. Il n'y a personne. Là, c'est pas en Inde, il n'y avait personne. Tu vois. Et le truc, c'est que c'est triste. Parce qu'en fait, ils trouvent vraiment des endroits qui sont vraiment pas très chers, avec une main-d'œuvre qui coûte vraiment pas très cher et tout. Ils font un studio de malade. Et en fait, après, les gens, ils parient. Ils parient, ils parient, ils parient. Et c'est là où ils font de. En fait, c'est là où ils se font la thune. Et nous, nos Qui parie? conditions. Je pense que c'est les Asiates. Hein. Les Asiates, franchement, ils parient sur en ligne, ça parie vraiment énorme, Ah quoi, ouais. tu vois. C'est vraiment ça leur marché, en fait. C'est un peu comme tu sais, les Challengers en Allemagne. C'est les Asiates, en fait, qui parient, parient, parient. Voilà, c'est ça qui fait tourner le ça qui fait marcher le business. Et le truc, c'est qu'en fait, nous, on est des chevaux. C'est comme ça. Ils ont rien à foutre de nos conditions. Des fois, on se retrouve dans le prospectus. Les mecs, ils nous disent, écoute, on est à cet hôtel-là, c'est 300 dollars par nuit, etc. On arrive, c'est pas le bon hôtel. Ils disent, ouais, on a changé d'hôtel, c'est pas l'hôtel. L'hôtel, il est à 30 ou 45 minutes. Quoi, à chaque fois, on se tape 45 minutes pour aller à la salle. Ouais, c'est Et on terrible. dit, mais. On Mais se dit, c'est pas après, ils possible. font. Enfin, moi, j'ai été coaché sur un WTT Youth Contender. Ouais. Et ils nous ont fait dormir dans un EHPAD. Donc, tu vois, c'était encore autre chose. Et c'était 200 euros Fou. la nuit. Hein. 170, C'est je fou. crois. Un EHPAD, C'est donc. fou. Parce que l'hôtel, il n'était pas dispo, je sais pas quoi. C'est fou. Forcément, tout à nos frais. Et en plus, en Youth Contender, il n'y a pas d'argent à gagner. Sauf pour les U19. Mais moi, Ouais. j'avais un petit U11, U13. En Belgique. Donc, franchement, tu fais deux sorties dans l'année et c'est tout en fait. Et C'est c'est déjà beaucoup. franchement c'est énorme. Donc du coup c'est vraiment en tant que nous professionnels où tu vois, en fait, quand on est chez nous, et ben tu vois, quand on est chez nous, par exemple, moi j'habite à 10 minutes de la salle, tu vois. J'ai pris mon appartement, je l'ai pris voilà, en fonction de la salle, en fonction de, tu vois, de plein de choses, tu vois,
Enfin, j'ai la voiture, mais avant, j'avais le métro à côté et tout, machin, etc. Et tout. Du coup, je fais en sorte que ça. De me mettre bien. Et en fait, avant, c'était pareil. Quand j'étais en ITTF, il y avait l'adresse de la salle. Je regardais un Airbnb qui était proche de la salle. Je regardais un Airbnb qui était proche aussi d'un supermarché, etc. Et tout. Puis je me mettais bien, tu vois. Après, je me mettais bien, j'arrivais un jour avant, je faisais mes courses, tout machin. Et en fait, j'étais dans les mêmes conditions que quand j'étais à la maison, tu vois. Et puis après, j'étais vraiment, mais bien. Et puis après, s'il y a des mecs qui arrivent et qui veulent se prendre des hôtels de luxe, pas qu'ils se prennent un hôtel de luxe. Moi, ça m'est arrivé. Une fois, j'ai fait l'Open de Qatar et ma copine, elle est arrivée, tac-tac. On s'est pris un hôtel de luxe, on s'est mis bien. Voilà, et puis c'est mon choix, tu vois. Et puis si, bon, écoute, là, bon, on est dans un truc où une fois, on s'est pris une villa avec des potes. Bon, voilà, on s'est pris une villa avec des potes, tac-tac. On s'est mis bien, on s'est mis proche de la salle, et puis voilà, tu vois. Mais là, en fait, on est vraiment à chaque fois dans des conditions, en fait, on n'est pas où on veut. On sent toujours qu'on paye un peu plus cher que ce qu'on. Enfin, on paye beaucoup plus cher que ce qu'on voudrait, tu vois. Du coup, franchement, c'est quand à chaque fois qu'on va en compète, c'est vraiment une bonne athlète qui est pas contente d'être là. C'est l'inverse des jeux, tu vois. On est tous un peu dégoûtés de là, mais en fait, il faut qu'on le fasse parce que, y a les jeux. Ah, mais est-ce que tu penses qu'un boycott général des WTT, ça peut se faire? Bah moi j'en avais proposé un. En fait Ah moi ouais? je suis quelqu'un ouais, moi je suis quelqu'un en fait bah, j'avais fait une vidéo en fait j'avais fait un post vidéo T'es sûr que ça me dit un truc, ouais. ouais, j'avais fait un post en fait moi je suis vraiment en fait dans la liste rouge de WTT. J'avais fait un post tu vois où j'avais mis le logo d'ITTF et j'avais mis ITTF me manque, tu vois. Et les mecs ils m'ont tous appelé, ils m'ont dit mais faut que tu enlèves ce post, Ouais, parce qu'en etc. et plus tout. t'as un peu de visibilité maintenant avec ta chaîne et tout. Ouais, c'est ça. Donc ça, et ensuite après j'ai fait un post en fait, j'ai fait une vidéo YouTube où ben, en fait j'ai exprimé en fait, ben, en fait mes tu vois mes expériences avec WTT, ce qui s'est passé pendant WTT et tout, pourquoi en fait ça marche pas. Et le truc c'est qu'en fait personne n'avait suivi parce qu'en fait tout le monde avait peur. Il y a même en fait des joueurs qui ont même reposté la vidéo et en fait WTT ils ont appelé directement les joueurs pour leur dire d'effacer, sinon ils allaient avoir des problèmes. Et les joueurs, ils ont effacé, tu vois. Il y a même des champions du monde, tu vois, qui sont venus et qui m'ont dit, écoute, Iba, c'est bien, tu fais la bonne démarche. Je lui dis, mais moi, je suis personne. C'est à toi tu vois, de le faire. Moi, je suis personne. Je suis vraiment un mec qui vraiment subit le système. Mais toi, champion du monde, c'est toi qui dois ouvrir, tu vois, c'est toi qui dois ouvrir ta gueule et aller, tu vois, et parler, tu vois. Qui Et le truc, c'est que tu tu peux vois, lâcher un nom ou pas? non, je peux pas. Ouais. Je peux pas. Ok. Ouais, je peux pas. Non, je sais que il y a plusieurs champions du monde qui sont venus me voir et qui m'ont dit que c'était la bonne démarche et tout. Mais tu vois, par exemple, c'est ce qui se passe au tennis. Un mec comme Djokovic, je sais pas si tu as vu récemment, mais il s'est battu pour les mecs, tu vois, tu vois, si tu es sous les 200 mondiales, tu as une prime de 60 000 dollars, je sais plus quoi. Et après, si tu es 150 mondiales, tu as une autre prime. Et puis après, pam, 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 tu vois. Et le truc, c'est qu'en fait, il s'est battu pour ça. Ou alors au golf. Je sais pas si tu connais un peu le golf, mais tu vois, bah, tu avais les majors, donc du coup, les meilleurs tournois. Et avant, quand tu passais pas en fait le cut du major, et bah, alors tu n'avais pas de prize money. Et en fait, les mecs, ils sont battus pour ça. Ils sont battus. Ils ont dit, écoute, non, c'est pas possible. C'est un des plus gros tournois et tout. Même si on passe pas les qualifs, donc le cut, on doit avoir un prize money. Et maintenant, les mecs, ils ont, tu vois. Et en fait, nous, c'est l'inverse de ce qui se passe. Tu vois, on vit moins bien du ping. Et ça, tout ça passe des grands noms comme Djokovic, tu vois, qui apparaît comme ça, comme Tiger Woods, en fait, qui met des idées comme ça et tout, pour justement développer, en fait, tu vois. Et en fait, nous, on manque de ça. Tu vois, on manque d'une vraie personnalité dans le monde du ping qui peut nous aider à développer le ping, tu vois. Bah ouais, parce que les meilleurs c'est les Chinois et on sait que les Chinois ils sont pas très expressifs non plus, tu vois. Mais c'est vrai que c'est demain ma longue, il dit les gars stop WTT, c'est pas possible, ça va peut-être suivre quoi. C'est ça qui est triste, mais Toi, t'avais, par après il y en rapport à a, ça, t'as tu vois. gardé ta position et tout, ou t'avais Ouais, continué non, avec moi un... j'ai gardé ma position parce que et tu vois, je vais être honnête, tu vois par exemple l'ITTF, j'avais une bourse de l'ITTF, ils m'ont dit écoute Oh, Adiz, merci pour le sub. Merci, merci.
Merci pour le prime indice. Ouais, t'avais une bourse, c'était TF. Ouais, j'avais une bourse avec l'ITTF. Voilà, il me passait une certaine bourse. Je me dis, écoute, voilà, on passe ça parce que tu joues pour le Sénégal. On sait que tu payes tout seul, etc. Et tout, voilà. Tac. Et tu vois, moi, j'étais un peu dans les petits papiers, tu vois, de l'ITTF et tout. Moi, j'ai ouvert ma gueule, tu vois, normal, parce que je trouvais que c'était pas bien. Et les mecs, ils ont retiré la bourse, tu vois. Et moi, je dors très bien comme ça. Tu vois, je dors très bien comme Attends, ça, c'est attends, pas grave. excuse-moi, j'ai pas suivi. Pourquoi ils ont retiré la bourse? En fait, ils ont tiré un bout parce que bah, je parlais de WTT, etc. Tu vois. Mais ITTF et WTT, c'est pas pareil. C'est pas. En fait, WTT, enfin l'ITTF, ça appartient à WTT. Ah, ok. Tu Ok. vois. En fait, l'ITTF, c'est voilà, c'est la mère. Et en fait, WTT, c'est eux qui organisent les compètes pour l'ITTF, tu vois. Donc en fait c'est ça. Donc en fait c'est la même chose. Et ce qui est triste, c'est que voilà, moi j'ai parlé, tu vois, j'ai dit honnêtement que c'était pas bien et tout. Et en fait, il y a plusieurs joueurs en fait qui sont un peu on va dire qui ont des aides de WTT ou ITTF et tout, et qui sont mis en avant. Et en fait, eux, ils disent, écoute, moi, j'ai pas envie de parler, moi, je suis bien avec WTT et tout, machin, j'ai envie de garder ma position. Et du coup, c'est là où, tu vois, ces personnes-là, en fait, bah, tu vois, ça manque un peu d'intégrité, tu vois. Après, c'est dur, hein. C'est dur de se mettre tout le système à dos. Désolé s'il y a des jeunes qui nous regardent, mais il faut avoir une paire de coronets, quoi, tu vois. C'est clair, mais c'est pour ça que moi je dors très bien la nuit, tu vois, il n'y a vraiment pas de souci, parce que les mêmes personnes en fait qui sont très 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 bien avec WTT, ils viennent me voir en disant putain c'est pourri, c'est fou, etc. Tu vois, anecdote pour l'Open de là de Doha, on en est 48 jours avant l'Open, on n'a pas le prospectus. On n'a pas, c'est pas possible. Tu vois, il faut prendre les billets d'avion et tout, tu vois, ça coûte cher, on ne peut pas le prendre. Et du coup, moi, je mets un post sur Instagram. Je dis, écoute, Ouais, j'ai vu ça. ça te parle? Ouais, j'ai vu. Je dis, on est 48 jours avant la compète et on n'a pas de prospectus. Et après, j'ai remis un autre et j'ai dit, et nous, on va se prendre une pénalité de 3 000 balles si on s'inscrit trop tard ou si on se retire trop tard, etc. et tout. Et parce qu'en fait, nous, il faut qu'on s'organise, tu vois, aussi, tu vois, Ouais, sur bien plein de sûr. choses. Et 45 minutes après, on reçoit tous le prospectus. Donc en fait, c'est sûr que le mec, il avait oublié. Il a dit, écoute, on a oublié. 45 minutes après, les mecs, on reçoit tous le prospectus. Un jour après, je reçois une pénalité de WTT de 3 000 balles. C'était quoi la raison? Là, bah, parce que je vois ma gueule. Ah ouais? Ils t'ont dit ça comme ça, Ouais. genre. Ouais. Tu l'as payé? Non, t'es un ouf. Ah T'es un ouf. c'est T'es un... Et incroyable. en fait c'est comme ça. Et c'est les gens, ils ont peur. Mais le truc, c'est que j'ouvre pas ma gueule. Franchement, on l'a une semaine après le prospectus. 48, tout le monde disait, mais t'as reçu le prospectus? Non, j'ai pas reçu, j'ai pas reçu, j'ai pas reçu. Écoute, il y a le billet d'avion. Une semaine avant, j'avais vu, il coûtait 400 balles, 500 balles. Maintenant, il coûte 800 balles. Je dis, oh, à un moment donné, on n'a pas les dates, on sait pas comment, Ah, c'est on sait pas où incroyable. on dort. C'est fou, quoi, tu vois. Attends, et tu vas pas avoir une amende majorée si tu payes pas la pénalité? Ça se passe comment ça? Non, non, j'ai déjà discuté avec eux. À la base, je ne vais même pas faire l'open. Et il m'a dit, écoute, tu fais pas l'open. Et non, c'est bon, ça va, ça a été. Ok. Tu vois. Mais encore une fois, tu Ah vois, chez ouais, mais moi, c'est la j'arrive. mafia en fait. Non, mais c'est une mafia énorme. Oh C'est une mafia énorme. la vache. Ouais, je sais pas si tu vois les commentaires, il y a des trucs un peu marrants, mais sur le chat. Mais, Putain, allez, je vois un je peu. vois pas l'heure, on a bien discuté là de WTT. Les amis, on va arriver sur les questions-réponses avec vous. Donc j'espère que vous avez gardé vos petites questions. Je voulais quand même avoir ton avis sur les JO de Paris. Qui tu vois gagner au Giro et est-ce que tu penses que Alexis ou Félix a une petite carte à jouer là pour Paris?
Alors, qui je vois gagner au JO? Ben, franchement, moi, je vois bien Wang Chuqin gagner. Wang Chuqin, je pense, je le vois gagner. C'est franchement, il... enfin, le truc, c'est que si la finale, c'est ouais. Non, en fait, je vois pas perdre Wang Chuqin. C'est ça. Peut-être sur Lin Hongju à la limite, mais sinon, je vois bien Wang Chuqin passer, même sur Fan Zhengdong. Ah, du coup, Et tu penses après, que Malong il les fait pas? Malong, il les fait pas. Il sera en par équipe, je pense. Ok. Ouais, Mais du coup, c'est donc mon avis. ça sera Fan Zhendong et Wang Chuqin alors. Bah, ça, déjà, Malong, il a gagné aucun Open. Wang Chuqin, il a gagné là le dernier Star Contender. Il a gagné la finale des Pro Tour. Il a gagné le dernier WTT Champion. Donc, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment le numéro 1. Là, c'est, je pense que c'est lui. Meilleur que Fan. Ouais. Ouais, c'est mon avis. Après, Non, moi je le trouve sur les archi derniers. solide aussi. Et c'est marrant, enfin, je pense que c'est le meilleur. Je le trouve plus solide que Fandenong. Parce que Fandenong, Oui. il a pas mal contré hein, ces dernières saisons, je trouve. Oui. Et ça, je trouve, je sais plus à qui je disais ça, c'est un des Chinois numéro un mondial qui fait le plus de contres sur les Européens. Ouais. Bah ouais. Franchement, En fait, ouais. En fait, les Fan, Malong, c'est. les Anguilles Queues, ça perd très rarement des Européens. Hein. Perd pas, même là Ouais. ça perd pas, même là tu vois par exemple c'est Alexis qui a battu Fan, Ouais. il a joué Malong et tu vois ça passe pas quoi tu vois, mais en fait le truc c'est que Fan en fait c'est que lui c'est techniquement il est incroyable, il est vraiment incroyable, mais Ouais, après c'est il le joue joueur parfait techniquement, mais dans la tête, exactement et pièce, surtout il se fait pipi dessus, hein, faut le dire. Hein. en fait, et puis surtout c'est tactiquement en fait il est pas très bon tu vois. Après, attends, je dis ça, mais attends, je dis ça à son niveau, tu vois. Non mais bien Tu vois, sûr, non mais ouais, je dis c'est ça. le Regarde. s'il est pas numéro un mondial, il est numéro 2, tu vois. Voilà, c'est ça. Tu vois, je dis pas, attends, je suis meilleur que lui, techniquement, non, pas du tout. C'est juste qu'au niveau du top 10, ben, c'est le moins fort tactiquement, tu vois. C'est ça que je veux dire. Ouais. Et voilà, il sert pas si bien que ça. Par Tu l'as contre, déjà ouais, joué mais toi? comment? Non. Non. Pas joué. Non. T'as déjà joué un chinois un peu top 5 là? Non, du top 5, non. J'ai joué. Bah, le truc, c'est qu'en fait, moi, j'ai joué des Chinois. Ah, si, j'ai joué. Je suis le premier à avoir joué Lin Shidong. Ouais. Et puis, j'ai joué Zhu Qiao aussi. Bah, je mène 1-0-8-7 sur Zhu Qiao. Et non, après, sinon c'est les deux meilleurs Chinois que j'ai joué. Ok. Ouais. Ouais, j'ai envie de faire une Et puis, parenthèse sur Wang Chuqin, mais on va perdre du ouais, temps. et Mais... puis après, ouais, et puis après, tu m'as dit sur Félix et Ouais, Hachi, c'est ça? c'est ça. Bah en fait, il faut pas oublier Simon. C'est ça que j'ai envie de te dire. Faut oublier Simon. Parce que Simon, il revient très très Il revient bien. bien, ouais. Il revient très très bien. Donc en fait, Félix, incontournable. Donc dans l'équipe de France, c'est sûr. Après, faut pas oublier Simon. Et surtout, en fait, Félix, ça va vraiment dépendre du tirage, en fait. Tu vois, ça va vraiment, vraiment, vraiment dépendre du tirage. Félix, il peut vraiment faire médaille, mais le truc, c'est que s'il joue Wang Chuqin avant Fan, tu vois, bah, Et tu penses ça se complique. ouais. Ouais, non mais ouais, c'est vrai, t'as raison. Hein. Si Ça dépend. par chance il joue un Hugo en quart, Calderano, tu vois, Exactement. il peut faire demi. Exactement. Exactement. Donc en fait, c'est ça. Ça va vraiment dépendre du tirage. Pour moi, en fait, Félix, je le mets là. T'as Wang Chuqin, Fan Zhengdong, Malon. Ensuite, t'as trois joueurs. Arimoto, Lin Yunju et Félix. T'as ces trois-là. Pour toi, Moi, je le mets là. Félix, il est plus fort que Calderano, que Truls, que Ovtcharov, que... Oui. Alors, il est plus fort que Ovtcharov là, mais le truc, c'est qu'un Ovtcharov en mode olympique, c'est pas le même. Ah ouais, c'est un monstre. Sur les grosses compètes, C'est pas le c'est même. un Strumon. Voilà, exactement. C'est que le Ovtcharov en mode olympique, faut pas l'oublier. Tu vois. Mais actuellement, moi, je mets Félix là. Donc, tu as les trois Chinois, ils se tapent entre eux, bam, bam, bam. Et tu as les trois jeunes. Là, Félix, Lin Yunju et
Trolls. Harimoto, Ah, Arimoto, ouais. qui se tape là. Et puis après, t'as les outsiders, t'as comment il s'appelle Calderano, les Kyudong, les Yorgich, machin et tout, qui sont, tu vois, à peu près là. Mais Félix, je le mets vraiment dans la catégorie là-dessus. Ouais, c'est vrai qu'il y a Alex qui nous dit Félix peut partir tête de série 3 au JO. Parce qu'effectivement, comme il n'y a que Oui. deux par pays, donc tu as les deux Chinois qui seront 1 et 2. Et puis si Oui. derrière il enquille encore, il gagne encore des WTT là, c'est vrai qu'il peut partir 3. Donc il Il se pourrait. bat pour ça. Ouais. Il se bat pour ça. Hein. Il se bat pour ça. Il se bat vraiment pour essayer d'éviter un Chinois. C'est le but. C'est le but qu'il doit se mettre. Ouais, parce C'est que s'il essayer de part partir pour. 3, Charles, j'ai pas le tableau des JO, mais s'il part 3 potentiellement, jusqu'en demi, il joue pas en chinois en fait. Ouais, Ouais. c'est exactement. Ouais. Ouais, effectivement, ça peut. Ça... Il y a une vraie carotte pour lui là, sur les WTT pour le coup. Exactement. Ouais. Et ils se battent tous pour ça. Hugo, Fan, Arimoto, Afcharov, c'est vraiment les mecs qui veulent être dans 3-4. Les mecs, c'est très 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 important ça. Ouais. Donc on parlait de Wang Chuqin, on est d'accord. Il sert faux. Ouais. Il est très fort hein, au ping, mais c'est impossible. On avait décortiqué le service en slow motion et tout. Ouais. Bah ouais, il la touche au-dessus de la table et derrière la tête. Ok. Tu regarderas. Donc Ouais. déjà que c'est un monstre dans le jeu, si en plus Ouais. service il est injouable, c'est effectivement ça devient dur à battre. Ouais. Effectivement. Effectivement. Dernière question et après on passe aux questions-réponses parce que je vois que ça commence à s'affoler dans le chat, les amis. Ouais. T'as une petite demi-heure pour nous encore, ça le fait? Ouais, donc Ouais, pas de super. soucis. Okay. Ton joueur préféré, all time? Ça peut être une féminine aussi, ceci dit. C'est ouais, Timo. Timo, je pense. Ah ouais? C'est lui qui te Ouais. faisait rêver quand tu regardais YouTube et tout. Bah déjà, c'est lui qui m'a mis dans le ping. Bah, c'est lui et Maze. C'est les deux. Lui et Michael Maze qui m'ont mis dans le ping. Ah, ça doit être marrant du coup quand t'as retrouvé Maze au Danemark. Ah ouais, en plus ils s'entendent très très bien. Donc du coup, il y a un mec en plus là d'ailleurs cette semaine, tu vois, je galère un peu en service remise et je lui ai demandé de me faire un petit cours en service remise, parce que pour moi c'est le meilleur Il est très chaud, ouais. en service remise, c'est le meilleur, franchement il a une connaissance incroyable. Donc c'est les deux en fait qui m'ont fait découvrir le ping, enfin qui m'ont les deux que j'ai regardé en tant que jeune, c'est Timo et Michael Maze. Ouais, la fameuse remontada de Maïs sur le chinois gaucher là. Exactement, exactement. Il y Souvenir a le du monde. poster dans la salle quand on s'entraîne. Incroyable. Incroyable. Ok, bah merci pour ce petit jeu de l'interview là. Franchement, Yes. c'était archi intéressant. J'ai appris plein de trucs et on a bien échangé et tout. C'était cool. Maintenant, si tu le veux bien, on va terminer par le petit question-réponse avec le chat. Donc, mes Ça amis marche. pongistes, on est un peu plus de 40. Envoyez vos questions, Iba, le principe, dès que tu envoies une qui te plaît, tu les lis. Et puis tu réponds, il n'y a pas de souci. Elles Ok. apparaissent bien chez toi? J'ai pas entendu. Les questions, tu les vois bien chez toi là? Ouais, je les Ouais. vois. Ouais. Ouais. Alors, si je suis la CAN, c'est Ouais. une question. Non, pas ouf. Je reviens de d'Inde, donc du coup, j'ai pas trop suivi la CAN. Je sais que le Sénégal était en 8e. Je sais pas ce qu'ils ont fait encore. Mais non, enfin, je suis vraiment de loin, quoi. Celui qui t'a posé la question, c'est un malgache, c'est pour ça il est à fond dans la Ok. canne. Justement, en parlant de service faux, t'en penses quoi de l'arbitrage WTT? Bah, je trouve que c'est vraiment pas ouf. Il y a vraiment de quoi s'améliorer sur l'arbitrage, pour être honnête. Après, le truc, c'est que les mecs, en fait, eux, ils gagnent rien, les arbitres. C'est incroyable. Franchement, Même, c'est c'est le même dur. problème en France, ouais. Ouais, il gagne vraiment rien. Mais le truc, c'est qu'après, comment dire,
Le truc, c'est qu'il gagne rien parce qu'aussi, il n'y a pas de formation. Peut-être avoir une formation, avoir une sorte de compétitivité, etc., peut apporter aussi plus de professionnalisme, qui va apporter un peu plus de moyens, etc. et tout, tu vois. En fait, tu vois, comparé, tu vois, au foot, un arbitre, s'il n'y a pas pénalty, c'est pénalty. Ici, c'est en Ligue des Champions, il ne va pas faire un match de Ligue des Champions pendant un an ou 2 ans, tu vois. Il va retourner dans sa ligue, et etc. Le truc, c'est qu'en fait, nous, un arbitre, il n'aime pas ta tête, il peut pourrir ton match, tu vois. Et je trouve que ça, c'est pas juste, tu vois. Donc voilà, bah, je trouve que c'est il y a beaucoup d'améliorations là-dessus à faire là-dessus. J'enchaîne les questions Ouais, ou... franchement, fais-toi plaisir, hein. Ouais. Ouais. Est-ce que le circuit WT sans l'obligation des hôtels serait viable? Oui, un peu plus. C'est sûr, un peu plus. Tu vois, là, j'ai payé 900 balles. Pour un tournoi avec WTT. Et en fait, je suis resté au Qatar entre les deux Pro Tours. Et en fait, tu vois, avec Mehdi et moi, on s'est pris un appartement de luxe, super et tout, machin. On a payé pour 700 balles pour 5 nuits, tu vois. Donc, tu vois la différence. Donc, on pourrait vraiment, vraiment se mettre, se gagner plus d'argent si l'obligation des hôtels et bon, on n'était pas obligé en fait de rester à l'hôtel de WTT, donc ça c'est sûr. Combien je gagne actuellement? Je gagne allez, aux alentours de 45-50 000, je dirais, sans prize money, sans Ouais, par là. après le prize money WTT, on le connaît, Ouais, hein. exactement. Voilà, on connaît. Mais C'est c'est à peanuts. peu près ça. Ouais. Ah, merci pour ta transparence, c'est cool Ouais, de donner son non, avis. bah, en fait, je sais que en France, on parle pas trop de salaire. Je C'est sais que vrai. c'est un peu tabou. Alors qu'en fait, au Danemark, bon, aux États-Unis, comment ils Ouais. montrent ça. Mais en France, ouais, c'est vrai que ça attire un peu un côté un peu obscur des gens. Mais voilà, c'est. Moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, juste pour rebondir là-dessus, ton salaire c'est 50% club, 50% marque, enfin sponsor, tu penses? Alors en fait moi mon salaire non c'est quand même une grosse partie de la Romane pour commencer ensuite après j'ai aussi mon sponsor avec Andro donc en fonction de mon classement mondial j'ai une prime par mois donc en fonction de mon classement mondial donc en fait c'est important en fait justement de jouer et d'avoir un bon classement mondial donc mais si j'ai un bon classement mondial je suis payé plus. Et ensuite de ça, en fonction aussi de mes résultats que j'ai en WT et puis de ma situation avec mon classement mondial et ma situation olympique, j'ai des bourses aussi par le Sénégal. Mais encore une fois, tout ça vient après avoir joué. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu dois Tu vois? avancer tous les frais, quoi, et puis après. Exactement. Donc ça veut dire que par exemple si je suis entre allez si je suis 50 mondial il faut vraiment que je joue bien à un moment donné tu vois j'étais 50 donc du coup je gagnais beaucoup plus pendant un moment parce que j'arrivais à maintenir ce niveau-là après bon j'ai arrêté de jouer pouf mon salaire il est descendu parce qu'en fait ma case en fait est descendue tu vois donc du coup je suis passé dans une autre case et du coup je gagne moins d'argent avec mon sponsor et je gagne moins d'argent avec le Sénégal aussi tu vois donc en fait c'est par case. Donc voilà. Ok. Ouais. Ma routine d'avant-match. Alors, 2 heures avant mon match, 2 heures avant que je commence le match, je mange des flocons d'avoine avec un shaker de protéines. Ensuite, je fais un échauffement avec le rouleau, tu vois, le rouleau de massage. Ensuite, échauffement, comment on dit, étirement dynamique. Et ensuite, après, je passe à la table. Je passe à la table. Et ensuite, donc, je fais peut-être aller 45 minutes de jeu de table, ou même moins que ça. Ensuite, je donne ma raquette 20 minutes avant le match. Et puis après, je vais jouer au match. C'est ça, après, ma routine d'avant match. Okay, donc ça veut Je sais dire que pas si... tu joues pas au ping une demi-heure avant. Il y a une demi-heure de temps mort où tu joues pas avant le match, quoi.
20 minutes. Parce que dès que tu 20 donnes ta minutes raquette, et je. ça lance direct, il n'y a pas de retard et tout. Après. Après, ouais. Non, enfin, moi, je la donne toujours 20 minutes. Après, je sais que avec les arbitres, on voit si le match, par exemple, il y a du retard, etc. Et tout. L'arbitre, il va nous voir et dit, écoute, il y a du retard. Et puis après, par exemple, dès qu'en général, dès que le match commence, dès que le match avant moi commence, je donne ma raquette. En général. C'est comme ça, quoi. Et puis je joue pas trop avant les matchs. Ouais. Parce qu'en fait, je joue pas parce que. Enfin, c'est simple. Par exemple, je sais que, tu vois, en France, on m'avait appris de jouer, tu vois, 2 heures avant le match, de jouer. Donc, en fait, ça n'a pas de sens parce que je fais une séance de 2 heures. Après la séance de 2 heures, je suis rincé, j'ai faim, j'ai la dalle, j'ai envie de rentrer, j'ai le truc, etc. Donc, du coup, ça n'a pas de chance. Donc, du coup, en fait, moi, ce qu'on m'a appris quand je suis arrivé en Suède, et ça, c'est des pros, hein, tu vois, ils m'ont dit, en fait, t'es rincé après les 2 heures. Tu vois, tu peux pas. Donc, du coup, en fait, échauffe-toi 30 minutes. Et là, tu es au pic de ta forme, tu vois, quand tu arrives et t'es au match. Et puis après, tu es frais mentalement, tu vois. Et c'est vrai que les mecs, ils avaient raison. Parce que des fois, j'arrive au match, j'étais mort. Tu vois, je me dis, bah, c'est normal parce que tu t'es entraîné 2 heures. Alors que tu as l'habitude de t'entraîner 2 heures, tu vois. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai réduit mon échauffement. Et je fais vraiment une demi-heure, 40 minutes de jeu à la table. Fais-toi plaisir hein, sur les questions, prends celle que tu veux, celle que tu aimes pas, tu squeezes, il y a pas mal de trolls là. Hein. Les gars, les modos, Ok, si ça marche. vous voyez des questions Ouais. tirées par les cheveux, les gars, c'est supprimé direct. Hein. Mais après, des fois, c'est les modos qui font des questions de merde, alors bon. Est-ce que tu joueras contre Angers le 27-02? Bah, je serai là, en tout cas. Je serai là, je serai présent. Je ne sais pas si je vais jouer. Tu penses faire le circuit de WTT encore combien de temps? Déjà jusqu'au jeu, c'est sûr, et après les jeux, je pense que je vais faire une petite pause. Je peux être raté, mais tu as commencé le ping à où? À Créteil, j'ai Ouais, commencé le ping. j'ai répondu. Ouais. Oui. Ah oui, t'es loin dans la question là. T'es en haut. Ouais, je Ouais, suis loin parce que ok. j'ai pas mal parlé. Si tu veux, je descends un peu plus Non, quand non, tu. non, vas-y, vas-y. Et s'il y a une question qui n'est pas lue par Iba, vous pouvez la remettre hein, deux, trois fois. Ouais. On peut passer à côté. Que fais-tu de tes plaques usées une fois que tu les changes, car elles doivent être encore en état correct. Je les donne en fait au Sénégal. Je les garde et là il va y avoir les Jeux africains et je vais emmener toutes mes plaques au Sénégal. Je les donne aux Sénégalais. Voilà, parce qu'ils n'ont pas vraiment les moyens de s'en sortir. Pam, pam, pam. Après ta carrière dans le ping, tu parlais de devenir professionnel. T'as pas peur d'oublier le ping? Ou c'est comme le vélo. Non, j'ai vraiment pas peur d'arrêter le ping. Je pense qu'à partir du moment où ma carrière pro est finie, bah après c'est subvenir aux besoins de ma famille, quoi. Donc voilà, préparateur physique, c'est un peu un rêve pour moi en plus, et il y a vraiment moyen de bien gagner sa vie. Comment casser une crise de confiance et de résultats au ping? Alors ça, c'est une question. Franchement, il y a plusieurs. Soit tu fais une petite pause, tu te poses tranquillement, tu réfléchis, et puis après tu reviens plus fort. Donc il ne faut pas avoir peur de poser, de se reconstruire, etc. Voilà, et puis de toute façon, après, tu n'as pas le choix, il faut taffer, etc. Et puis en fait, il faut vraiment pas avoir d'ego, quoi. Juste même si c'est dur deux fois de regarder son match quand t'as perdu, faut que tu le regardes quand même. Tu le regardes, tu dis bah pourquoi t'as perdu, etc. T'analyses et voilà quoi. As-tu encore des contacts avec les anciens gars de Créteil? Ouais, toujours, toujours. Je passe toujours à Créteil. Dès que j'ai un peu de temps et que je rentre chez moi, je vais toujours voir l'arbi. Je vais toujours voir mes entraîneurs, etc. Franchement, j'ai vraiment une bonne relation avec Créteil. Je leur donne aussi un peu de matos, etc. Je suis vraiment relié à Créteil. Souhaites-tu revenir à Rouen LNTT en équipe pro une saison ou plusieurs? Avec plaisir. Franchement, Rouen, c'est vraiment un club que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment un club tranquille. Franchement, il me faisait vraiment, vraiment pas chier. C'était vraiment des gens super. Donc, c'était vraiment cool. J'ai vraiment passé 4 ans, 4 belles années là-bas.
Tu te mêles, t'es un BG. Alors ça, j'ai pas compris. Non, c'est quand t'as dit, ton salaire. Et Ah. t'es bien, etc. Enfin bref. Les trolls, quoi. Ah, y a-t-il du racisme dans le ping? Franchement, alors j'ai eu une fois, c'était contre N-Bon. On m'a traité de singe. Le public d'Enbon Ouais, N-Bon, qui jouait en pro, là-bas on croit. et... ouais. Ouais, et, je me souviens, c'était en 2010. J'ai eu un litige, mais enfin, c'était avec Wong Xin, un tricheur de Ah malade ouais, mais mental. c'est lui, c'est le chinois qui joue en porte-plume à Ouais. N-Bon. Ouais. Ouais, mais tu sais que lui, moi je l'ai joué en N2, il jouait dans un club en Bretagne, Montfort je crois. Oui. Une attitude, mon pauvre. Mais Oh. un tricheur, pas possible. Je me souviens, il avait, je me souviens, c'était un point. Je joue milieu, il touche deux fois la balle, mais deux fois la balle. Du coup, je lève la main, je pose. La balle était trempée. Enfin, tu vois, la balle est Ouais. trempée. Et là, il voit que je. Et là, il prend un pivot, il me met une patate, mais je me dis, mais attends, les gars, c'est pas possible, la balle, elle est trempée. Elle peut être. Et le mec là, et puis les mecs d'Enbon, ils ont commencé à Ah m'insulter et tout. ouais. C'est vraiment la seule, Oh, ouais, c'est ouf ça, une fois où. je connaissais pas. Ok. Ouais, Et y c'est a pas eu de fou. conséquences pour eux? Non, franchement. Ouais, personne n'avait. T'étais où à l'époque Non. à Argentan? Ouais. Argenton. Et non, ok. Ouais, en plus, il y a une équipe, c'était moi, Ah, Miro que des Renoirs. Tohoun et Segun Torioa. Ouais, franchement, ouais, c'est fou. C'était fou, Ah franchement. ouais, ok. Ouais. Bon, c'est triste, hein. Ouais. En plus, ouais, pour le pain. Gros tricheur, lui, Ouais. Wang Jin. En plus, c'était un de mes premières. C'est ma premier match de pro, en plus. Premier match de pro. Fou. Comment communiquez-vous en match avec Xuin Bin? Parle-t-il en anglais? Alors, en match, c'est notre chinois, enfin français, franco-chinois, Chen Tianwan, qui le coach. Il coach en chinois, donc tu comprends, on comprend rien de ce qu'ils se disent. Mais il fait le taf, donc du coup, tant mieux, quoi. Ça signifie quoi donner sa raquette? Alors, donner sa raquette, en fait, c'est qu'on doit, on doit aller à la table d'arbitrage 20 minutes pour qu'en fait les mecs ils vérifient notre raquette. Et ils vérifient nos t-shirts, qu'on a bien le nom, etc. Et qu'en fait, on est conforme aux règles. Donc en fait, on va à la table d'arbitrage 20 minutes avant le match. Existe-t-il des matchs truqués pour les paris sportifs? Ouais, il en existe. Il en existe. Il y a eu des cas, des gros cas quand même. À l'époque, c'était ITTF. Il y avait vraiment des gros cas de tricherie. Pas de matchs truqués, quoi. Pam, pam, pam. Ah, je vois que tu réponds aussi un peu aux questions, ça. De quoi? Non, je vois que ça répond aussi un peu aux questions. Ouais. Ouais, il y a T'as des. certains viewers qui répondent. Ouais. T'as des superstitions pour le ping. Alors, ouais, j'ai mon. Alors, j'ai. Ouais, j'ai. Tu vois, mon caleçon préféré. J'ai quoi Ouais, en fait, dès qu'il y a un truc qui marche, en fait, pendant ma compétition, je le fais. Je le fais. J'ai ma musique préférée, j'ai mon truc, etc. Donc voilà, ouais, j'ai un peu de superstition. Ouais. Mais après, je suis pas un taré. Il y a vraiment des tarés, tarés. Je suis pas comme ça non plus. Mais j'ai quand même mon petit caleçon préféré. Pour toi, quels sont les points forts d'Alexis Lebrun? Est-ce que vous êtes joué avant les championnats du monde? Alors ouais. Alors Alexis, moi, je le connais depuis très longtemps. Avant même qu'il sorte, parce qu'il était venu. En fait, Alexis était même un de mes relanceurs avant les JO de Tokyo. Donc, il était venu au Danemark pour relancer parce que Nathaniel Molin était là. Donc, du coup, je le connais assez bien. Ensuite, on s'était joué à l'Open de. C'était WTT de Düsseldorf. On s'est joué. J'avais perdu 4-2 et c'était très serré à cette époque-là. Et en fait, ses points forts, lui, c'est la variation, tout simplement. Surtout au niveau du service. Il doit y avoir le match sur YouTube. Je pense que je vais le trouver. Ouais, franchement, en fait, il a un service et puis il a un bazooka en couvre. Donc, en fait, on va dire ce qu'il fait bien, c'est service latéral, milieu de table. Et pour que le mec, en fait, il pique. Et il prend le pivot, il t'envoie un bazooka. Donc voilà, c'est ça ses points forts. Son style de jeu préféré, c'est ça, quoi. Tu fais d'autres sports en dehors du ping? Alors, je kiffe le foot.
Je kiffe le basket. Je kiffe le badminton, tu vois, plein de trucs comme ça, etc. Mais le truc, c'est que j'évite de les faire parce que pour les blessures, tu vois. Donc du coup, j'essaie vraiment, vraiment, vraiment de me poser, peinard, tu vois, et de pas en faire trop. Mais sinon, par contre, si là tu me dis, écoute, viens, Iba, on va faire un foot, il y a de bonnes chances que je dise oui. Vas-y, quand tu reviens sur Créteil, on se fait un petit Urban à Ivry. Avec plaisir, Ouais, avec c'est clair. plaisir. Ouais. J'ai mis le match de toi contre Alexis en fond Je vois ça. pour commenter un peu après. Mais vas-y, vas-y, enchaîne s'il y a des questions. Tu peux nous parler un peu de ta prépa mentale. Ouais, je peux te parler de ma prépa mentale. Alors, ma prépa mentale, en fait, elle est constituée vraiment de se concentrer juste sur ce que sur en fait le jeu. Le jeu, le jeu, le jeu, le jeu, le jeu. Donc c'est par exemple à la prochaine balle. Qu'est-ce qu'en fait déjà moi comment j'ai envie de jouer? Comment en fait l'adversaire a envie de jouer? Qu'est-ce qu'il veut faire? Et ensuite et la balle d'après et la balle d'après et la balle d'après. En fait c'est un enchaînement en fait de balles. Et en fait c'est pas des points, c'est que des balles. Et en fait c'est là en fait que moi j'essaie de me concentrer avec mon préparateur mental. On essaie de se concentrer là-dessus. On se Je peux fout te du sport. demander son nom ou c'est un français? Ouais, alors, non, c'est pas un Français, c'est un Norvégien. Ok. Il s'appelle István Moldovan. Et en fait, il a été joueur de ping. Il a été 70 mondial. Donc du coup, en fait, c'est super parce qu'en fait, il a vraiment cette relation hein, entre la préparation mentale et le ping. Et donc, c'est vraiment super. Et en fait, il s'occupe vraiment aussi d'autres choses à côté. Donc ce qu'on parlait avant, c'est tu vois, bah, de ma situation personnelle. Donc comment ça se passe avec ma famille, comment ça se passe avec ma compagne, comment j'arrive à gérer en fait le fait que je sois tu vois bah, 70% du temps je suis pas chez moi, tu vois comment c'est arrivé gérer ça etc. Ma situation aussi après ping, tu vois comment gérer bah, l'étude que je vais faire etc. tu vois tout ça. Donc en fait on est vraiment en fait vraiment sur ce truc-là. Et ensuite tu vois sur la partie ping c'est vraiment penser à la balle d'après, toujours à la balle d'après. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce point-là et la balle d'après. Donc, et en fait, du coup, tu oublies tout. T'oublies, quand tu penses à ça, tu oublies ce qui, tu oublies vraiment tes soucis à côté, tes trucs, etc. et tout. C'est vraiment que la balle d'après qui est importante, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment sur ça qu'on est concentré. Et tu vois, même si tu es mené 9-3, ben, c'est pas grave, c'est la balle d'après, tu vois. C'est comme ça qu'en fait, tu fais les remontadas. Et voilà, en fonction, en pensant au jeu à chaque fois. Si tu devais choisir trois coéquipiers pour faire une équipe de ping, tu choisirais qui? Alors, je choisirais, je pense, Malang, Fang Zhengdong. Malang, Fang Zhengdong et Wong Chuqin, je pense. Tu disais tout à l'heure que Malang. c'était Timo Boll et Mays, c'était tes joueurs préférés Ouais, c'est sûr, mais là, là. c'est pour gagner. Ah bah oui. C'est pour gagner, voilà, je suis pas dans. C'est pas dans le sentimental, mais ouais, franchement, ouais, c'est ça, je pense. Hein. Et puis, ouais, après, t'as quand même des bons joueurs sur le circuit. Mon premier entraîneur, c'est Éric Auger de Créteil. C'est lui, mon tout premier entraîneur. Vu que tu t'entraînes en Suède et au Danemark, est-ce que tu as des propositions pour jouer en club là-bas? Ouais, moi, j'ai joué en fait à Halmstad. Là-bas et en fait j'ai gagné la ligue en fait en Suède en 2018 et mon équipe c'était moi Mathias Falk et Elias Ranefur qui joue d'ailleurs à Il joue en la France, LMTT aussi ouais. ouais. Et si ma mémoire est bonne, c'est un jeune de la génération Alex Cassin, je crois. C'est ça Et je exactement crois qu'il fait vice-champion d'Europe contre Alex Cassin en finale. exact exactement ouais. CG, ouais. Exactement. On a gagné justement contre l'équipe. Donc c'était l'équipe de Truls, donc avec Suhui, Truls et Robert Svensson. Et cette équipe-là, ils avaient fait finale de Ligue des Champions l'année d'avant. Et on avait réussi à les battre C'est beau. en C'est pareil, playoff. le Ouais. format là-bas en Suède, c'est pareil, match aller-retour. Ouais, c'est playoff et match aller-retour. C'est ça. Ok. Ouais. J'ai pas entendu si tu donnes des maillots des anciennes collections que tu portes plus. Si, mais je les garde en fait pour le Sénégal.
Ah bon, il y a quelqu'un qui avait Ouais. répondu. Mais c'est ça, ouais, je garde vraiment au Sénégal ou à Créteil, tous des gens qui en ont besoin, enfin, tu vois, qui peuvent pas s'offrir ce genre de choses, quoi. T'es hyper cool, merci, merci. Archi 96TT. Comment est-ce que tu choisis ton matériel? Parmi tous tes revêtements aujourd'hui, on s'y perd pas mal. Il y a aussi tous les prix. Et surtout, plus en plus cher. Perso, je joue avec Hybrid K3 et je me demande comment je peux trouver un équivalent moins cher. Bah déjà, Hybrid K3, c'est déjà pas mal. Je crois que les Lebrun jouent avec ça, je suis pas Ouais, c'est sûr. ça. Là, ils ont ça, ouais. Ouais, ils ont ça. Donc, le truc, c'est en fait, c'est un peu à la mode. Hein. Maintenant, c'est voilà, c'est jouer près, très vite, avec beaucoup d'effets. Et en fait, les plaques hybrides, c'est la seule plaque en fait, qui peut te permettre en fait, de faire ça. Et puis après, et en fait, il y a un truc, c'est qu'en fait, les plaques, elles ont toutes le même prix, surtout en fait, tout ce qui est Andro, Donic, Tibar, etc. Parce qu'en fait, c'est la même entreprise C'est la même qui usine, ouais, produit ces ça plaques. vient de la même usine. Exactement. La même usine. Donc du coup, en fait, elles ont toutes le même prix, parce que c'est le même coût de production, etc. Et tout. Donc en fait, tu ne trouveras pas moins cher que ça. Et le truc, c'est que après, bah, c'est Butterfly. Donc, Butterfly, c'est beaucoup plus cher. Donc, en fait, t'es vraiment. Enfin, tu peux rester bloqué, quoi. Soit tu joues avec ça, soit tu joues avec moins bien, entre guillemets. Et si tu devais faire une équipe de potes? Waouh! Une équipe de potes. Une Alors. équipe de potes pour gagner la proie en Ouais. France. Une équipe de potes en France. Alors. Bah, Mehdi Bouloussa. Alexandre Robineau. Mehdi Boulsa, Alexandre Robineau. Tu mets bah, Quentin Robineau aussi. Pam, 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 Après, pam. c'est équipe de quatre, hein, c'est bon. Hein. Ouais, bah, c'est voilà, c'est vrai, c'est ça. Voilà. Tu penses que Donc, cette équipe-là, tous les elle gagne la proie? elle gagne la proie. Ah. En tout cas, on aura les meilleurs délires de proie, ça c'est sûr. Après, elle a gagné. C'est qui le numéro 1? Ce serait toi le numéro 1 dans cette équipe? Non, Alex, je pense, Alex Alex. Robineau, je pense. Ouais, Ouais, Alex il Alex. sort plus, donc c'est un peu dur de. Ouais, il sort plus, ouais, mais il est vraiment Alex. Franchement, s'il sortirait, ouais, il serait bon. Il Ouais. serait très bon. Ouais. Alex qui était notre premier joueur professionnel invité sur la chaîne d'ailleurs. Ouais. Ah ouais. Ouais, oui, c'est vrai, j'avais vu. Ouais. Parce qu'on a il habite à 5 minutes du coup. Ouais. Ouais. Il était même venu en présentiel, c'était génial. Ah, c'est cool. Ouais. Ouais. Alors, je reprends la main. Harry Cover, c'est marrant, je sais pas qui tu es. Parce qu'il y a un mec qui a mis Nitaku Fast Arc G1. C'est les plaques de Nitaku, un peu à la mode, l'équivalent des Blue Storm, des Ténergies, chez OK. Nitaku. Et j'entraînais dans un club l'année dernière où j'avais un licencié qui me disait Fast Arc, Fast Arc, Fast Arc, Fast Arc. Je connaissais pas du tout le revêtement. Est-ce que Harry Cover, c'est toi le licencié de nos gens TT qui me disait Fast Arc? Je crois pas, mais. Et Ah, je connais pas du tout j'avais essayé le revêtement et c'est pas si mal. C'est vrai que personne. Et ah ouais je crois que c'est. Bah après, il n'y a pas beaucoup de joueurs Nitaku, mais je crois que Mathias Falk, qui est Nitaku. Non, il est Yazaka lui. Non, il est il est Yazaka. Yazaka Ouais, Nitaku, c'est. Je sais pas s'il y a des joueurs Nitaku. Peut-être les Japonais. Nitaku Nitaku je crois plus Parce que je sais trop que que Nitaku, les balles sont très bonnes. Les 3 étoiles. ouais bah ouais c'est bah ouais, les Nitaku Premium c'est bien ouais. Elles sont bien. Ouais. Elles sont dures, elles se cassent pas, elles sont bien rondes. Ouais. Mais des joueurs sponsor Nitaku. Là, je crois que je crois plus hein, je crois pas hein. Pas beaucoup comme ça de tête. Ouais. Non du tout, mais je joue avec ça, conseillé par Florian Westel. Je sais pas si tu connais, je connais pas Florian. Pour les prix moins chers. Ah, parce que les Fast Arcs sont moins chers du coup. OK. Salut Walid, pas bien de balancer. Ouais, je sais. Tu sais de qui je parle toi, Walid. On rigolait bien. Alors, est-ce que tu penses que même en niveau amateur semi-pro, c'est utile de filmer ces matchs? Et est-ce que toi, ça te sert à progresser? Ben, en fait, le truc, c'est qu'en fait, les matchs, c'est le meilleur moyen en fait, de se juger. En fait, c'est pour ça qu'en fait, les matchs, il faut vraiment en fait, mettre son ego de côté quand tu les regardes. C'est super important. Et en fait, tu fais un match, tu regardes ce qui a marché. Tu regardes. Et moi, en fait, si vraiment je donne un conseil là au mec qui nous suit, c'est tu regardes ton match, tu prends les 70% de choses que tu as bien fait et tu prends 30% de qui doit être
ce que tu dois progresser, tu vois, pour rester positif. Et tu fonctionnes comme ça. Puis écoute, quand je sers comme ça, la balle arrive là, là je la casse, c'est bien, etc. Et tout, c'est super. Mais par contre, dès que quelqu'un qui me sert comme ça, bah, j'ai un peu de mal et tout. Et là, je peux progresser, je peux peut-être justement utiliser mon autre point fort pour essayer de remettre service là ou de remettre la balle à cet endroit-là pour qu'elle m'arrive là, etc. Et tout. Et en fait, c'est ça. Et ensuite, après ça, tu t'entraînes à faire ça. Et tu le retestes en match. Et ensuite, après, encore une fois, tu prends, c'est que des feedbacks en fait. Et en fait, et c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça qu'en fait, tu développes. Et de match en match en match en match, comme ça, si tu fonctionnes comme ça, sur 2 ans, t'es plus le même joueur à la fin. Tu vois, tu te connais mieux. Tu te connais mieux. Tu sais en fait tes forces. Tu sais tes faiblesses et ce que tu dois essayer d'éviter. Et en fait, tu progresses en fait de jour en jour. Et en fait, c'est comme ça qu'en fait que tu vois, filmer ses matchs. C'est pas filmer ses matchs pour regarder tu vois, ses bons points, etc. et tout, faire des best-of. C'est vraiment mettre son ego de côté et dire vraiment, écoute, ça j'ai du mal. Mais par contre, ça je le fais bien. Et ça je le fais bien. Oh, ça j'ai du mal. Et ça je le fais bien. Et puis après, tu expérimentes ça à l'entraînement et tu retournes à ton prochain match. Et comme ça, tu évolues. J'espère que c'est été assez clair sur mon explication, si ça a du sens. Ouais, c'est très bien. On s'en fait encore une ou deux? Ouais. Je sais pas, ça se trouve, t'as même fait le tour, hein. Il y a pas mal de questions quand Ouais. même. C'est quoi ta marque de balle préférée? C'est DHS. C'est la marque, c'est la. C'est préféré. Enfin, en fait, c'est la balle référence, la DHS. C'est vraiment. Tout se tourne autour de la balle DHS. C'est Tu filmes DHS tes ou matchs? Nitaku? Excuse-moi, je te coupe. Il y a les versions Japan et Ouais, chinoise, c'est les non? premium et NSD, mais vraiment la balle C'est DHS, référence, c'est ça. DHS. Ouais. DHS, c'est vraiment la balle Ouais, mais référence, on est sur quelle ça. version? Attends, parce que c'est les Nitaku, il y a la version japonaise et Alexis était là dans le chat, je crois que c'est toi qui on avait parlé. Il y a une En balle, fait, je crois que c'est les Nitaku. Nitaku Premium, Japan sont vraiment mieux que Ouais, les c'est ça, chinoises. exactement. Ouais. Ouais. C'est Nitaku, c'est les premium et t'as NSD. T'as deux qui. Ils ont deux Nitaku en fait. Ok. Et les DHS, c'est les DJ Plus, là. Et ça, c'est la balle référence. C'est vraiment. Tu vois, pour moi, pour la sélection de balles, je ne choisis même pas, je les prends. J'écoute 15 balles, voilà, poum. Et voilà, c'est vraiment. Tu t'entraînes avec Elles cette sont balle-là? vraiment bien. Ok. Et en WTT, c'est cette balle aussi? Ouais. En WT, c'est ces balles. Ok. Tu filmes tes matchs seulement avec trépied et téléphone. En fait, en WT, on n'a pas le droit de filmer nos matchs. Mais par contre, en fait, on a tous un compte où on peut les retrouver. Et en fait, c'est là où j'ai mes matchs, quoi. Donc voilà, je vais sur mon compte et voilà, j'ai mes matchs. Voilà. Est-ce que tu utilises du booster sur tes plaques? Sinon, est-ce qu'il y en a qui utilisent sur le circuit? Moi, j'en utilise pas et je peux pas dire si les autres en utilisent. En plus, c'est un peu un sujet assez sensible. Donc voilà, mais moi, T'es clean là-dessus. moi je ouais. Ouais. Et en compète, vous choisissez vos balles ou vous regardez quoi exactement? En fait, on a des balles de la compète. Et en fait, bah, on a le droit en fait, de choisir 15 balles. Parce que tu sais, c'est comment dire? Tu sais, on ne ramasse pas les balles. C'est quelqu'un qui ramasse les balles pour nous. Du coup, en fait, on choisit 15 balles. Moi, je choisis 15 balles, l'autre choisit 15 balles. Et puis voilà, quoi. Donc voilà. Ok. Dernière question, c'est quoi l'intérêt du booster de Archie? Alors, l'intérêt du booster, c'est. En fait, c'est déjà pour ramollir un peu plus la plaque. C'est en fait avoir un peu plus de catapulte et ça va aider en fait parce qu'en fait les plaques elles sont très 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 dures actuellement et en fait c'est pour aider à avoir un plus de catapulte pour tu vois quand tu es loin de la table et surtout quand tu joues dans des grandes salles à aider un peu plus tu vois parce qu'il y a vraiment une vraie 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 différence entre jouer dans une salle qui est petite et des fois dans les salles elles sont immenses et ça ralentit beaucoup en fait le jeu. Mais par contre, en contrario, tu mets moins d'effets.
Et en fait, moi, comme tu vois, j'essaye, ben justement, moi, j'ai quand même beaucoup de force quand je joue. J'essaie de privilégier l'effet. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je bouge pas. Donc voilà, je mets vraiment surtout sur service, premier démarrage, tout, pour essayer d'avoir une balle qui est très très lourde et pour pas aller dans le jeu. Donc voilà. Iba, Oui. on va s'arrêter là. C'était dense, intense, c'était très très bien. Merci, merci beaucoup. Avec Tu plaisir. as été réactif, tu as été dispo. Tu disais tu es à 70% du temps, tu n'es pas chez toi, et là tu trouves un petit créneau pour venir parler de ping avec nous en live. Donc, Avec plaisir. vraiment cool, vraiment un grand merci à toi. Si jamais tu veux revenir, pourquoi pas, on parlera de choses différentes, mais. Avec Merci plaisir. beaucoup à toi. On a ton Instagram là qui est sur le chat, qui est mis par un de nos modérateurs. Donc Ouais. allez suivre Iba sur Instagram. Il est super actif. J'ai mis la chaîne YouTube aussi. Tous les vlogs et tout, c'est hyper intéressant si vous voulez voir les coulisses des matchs pro des WTT. Et profitez-en parce qu'il n'y aura plus du coup de WTT, d'Inside WTT. Et on a un petit Discord aussi. On a créé une communauté de pongistes francophones, les gars, sur Discord. On parle de ping, on raconte nos matchs, on parle de matos. Voilà, surtout le ping en France. Et pas que, tant que c'est francophone. Donc venez nous rejoindre. On est un peu plus, on est une centaine à peu près. Voilà, c'est cool. Est-ce qu'on peut avoir des petites raquettes pour Iba, les gars, pour le remercier de son temps? Et c'était hyper intéressant. On a appris plein de trucs. On a eu la chance. Iba, il a fait les JO. Donc on a. Franchement. Franchement, franchement. Et puis, bah, moi, tu sais que je suis à Maisons-Alfort, donc à l'occasion, Ouais. à l'occasion, quand t'es en France, t'envoies un petit message à Roby. Et puis, Ouais, ça marche, ouais. Allez, les gars, un petit mur de love, un petit mur de raquette, les gars. Merci à tous, merci à tous les modos, merci Thibaut. Merci d'être venu. Ouais, merci à vous tous. Tib, Alex, Lothaire, je t'ai vu aussi. Merci à tous. Tous ceux qui ont posé les questions, qui ont participé. Désolé pour le petit bug d'affichage là du chat, mais. Tiens, pendant le live, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit: dimanche soir, c'est le pire jour pour faire des lives. Moi, je trouve que c'est le meilleur, mais bon. Pour nous pongistes, tu Ah sors non, de. ça motive après pour l'entraînement de lundi, c'est Mais parfait. ouais. Mais ouais. Ouais. Ok, on va s'arrêter là. Merci encore, Iba. Bonne soirée à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite quand même, la Califo JO? Bah ouais, la qualif au JO, c'est 2024, donc il y a vraiment que ça qui compte. Ouais. Ok, et tu m'oublies pas, hein, si t'as pas de coach, t'as mon numéro Ouais, maintenant. ça va. C'est le mec qui lâche pas le morceau, tu sais. Ok, merci, merci encore Iba. Bon courage pour la suite, on suivra tes aventures de très près. Ouais, merci. Et bonne soirée tout le Merci monde, bonne beaucoup. semaine. Ouais, Ciao, ciao. merci. Bonne continuation, Ciao. merci.